messieurs, bonjour tout le monde, comment allez-vous? Bonjour, bonjour Riri, bonjour Svarok, bonjour Charles, bonjour Oxo, bonjour tout le monde, bonjour, comment allez-vous? Faudrait m'expliquer la catégorie marble, ça s'appelle un oubli, ou un manque d'attention, ou un con qui n'a pas vu. mais sinon ça va, t'inquiète. Ah, c'est car il oublie de changer que le dernier stream a fini sur Marble, exact. J'ai mis le nouveau titre, j'ai mis la nouvelle notif, mais j'ai complètement oublié de changer la catégorie. Ça s'appelle un peps, quoi, exactement. Ça va pas, il reste que 12 jours que j'obtiens Navia et j'ai que 42 pity. Ce qui me fait penser, il reste combien de temps pour le truc? Ah, je suis obligé encore... Waouh. Ok, non, ça va, je suis pas obligé de prolonger maintenant pour l'objectif communautaire. Vous êtes à 59% les gars. Let's go, mettez tous vos points dans la soirée otaku s'il vous plaît, je vous en supplie. C'est trop lent. Ah, j'en peux plus. Mais oui, bien évidemment, on va sur HSR les gars. Aujourd'hui on est jeudi, donc on part sur HSR. On a 2 heures sur HSR et après on a 2 heures sur... HSR. Je sais pas ce que ça veut dire. Exact. Allez, un cas pour te faire plaisir. Let's go, Oxo! La faute à qui, Pepsi? C'est long. En vrai, c'est un peu de ta faute, Riri. Non, mais c'est de la faute à moi et à ceux qui ont tellement contribué en première fois que j'ai surestimé votre puissance de feu, pour le coup. Alors, la prochaine fois, je vais... Tu te fous de ma gueule, étoile? D'accord, je verse mes points. On est passé à 60%, let's go. Moi, ce qui m'amuse, c'est qui m'amuse en plus. Qu'est-ce qui t'amuse en plus? C'était 100K la première fois. C'était 100K la première fois, mais ça nous a pris combien de temps, 100K? Ça nous a pris autant de temps? Parce que même là, je veux dire, les 100K, on les a fait beaucoup plus lentement, les gars. On a fait 100K en une semaine. Là, on a fait 150K en un mois. C'est absurde, c'est pas possible. Les gens étaient moins motivés. Bah oui, bah regarde, la prochaine fois on remet à 100K et on va voir ce que ça donne pour le coup. En ce jour, j'ai eu mes premières lunettes. Je vois la vie. Et merci pour les 185 visionnements de suite, incroyable. Les séries de visionnage, toi aussi je crois, Kuzu, t'as remarqué. Mais ils sont rendus tout petits, genre on les voit tout petites comparé à avant. Avant on les voyait plus grosses que ça. Ils passent inaperçus de fou maintenant. Je vois la vie en 8K, je savais que mon chat était encore plus beau que ce que j'imaginais. En ce jour également, je suis monté Pity 50 sur Wuwa et aussi j'ai découvert que je suis Pity 67 sur l'arme. Donc c'est possible, let's go, Kuzu, bonne chance à toi. Je suis fatigué les gars, ça se voit. Et c'est pour ça que j'ai du sommeil en canette, pour pouvoir ne pas sembler fatigué, c'est cool. Je mets pas mes points sur cette soirée otaku MDR, je trouve pas. Comment ça? Tu veux pas regarder des animes avec nous, cousin? Ok, ça va, j'ai compris. J'ai compris. Je comprends. Tu nous renies. Bon, allez les gars. Direction HSR. Est-ce que vous vous rappelez ce qu'on allait faire aujourd'hui, les gars? Aujourd'hui, on a quelque chose de très 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 important à faire qui s'est restart il n'y a pas si longtemps. Je suis même allé faire le niveau 7 pour débloquer les premiers trucs, comme ça on fait vraiment que le côté difficile sur le jeu en premier et après on passera... Ouais, les MOC pour le coup, les MOC. Juste regarder, est-ce que j'ai la chance de potentiellement venir ici et mettre autre chose? Non. Ah non, attendez, il y a encore le doubleur, je crois. Il y a le doubleur, je crois. Le doubleur, il est là jusqu'à quand, les gars? Le doubleur, il est là jusqu'à demain. Comment je fais pour savoir, les gars? Attends. Les MOC, c'est aujourd'hui? Oui, les MOC, on les fait aujourd'hui pour le coup. Attends, je suis juste curieux de savoir jusqu'à quand est-ce qu'il y a le doubleur de relique pour le coup, les gars. Aujourd'hui. Ah oui, d'accord, ça se termine aujourd'hui, d'accord. Ah oui, d'accord, ah merde. Ah ok, d'accord, du coup vous savez ce que je vais faire. Je vais juste aller taper vite fait ça là,
parce que je sais que j'en ai besoin là pour préparer la Sparkle. Du coup, on va commencer à claquer nos, ma puissance de pionnier sur les notes de musique, parce que je vais en avoir besoin de quand même pas mal. Les musiques que vous avez aujourd'hui, mais elle est pas, ils ont pas reset aujourd'hui. Non, ils ont reset à la fin de la semaine dernière, je crois, vendredi, un truc comme ça. Cousin. Aussi, je viens de comprendre, mais c'est pas tous les 5 événements de suite qu'on gagne 450 points de chaîne. C'est tous les jours. Ah ouais. What the fuck. C'est cheaté. Mais c'est cheaté de fou, Kuzu. What the fuck. C'est beaucoup trop. Attends, j'ai bien entendu Sparkle. Oui, quoi. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'elle a, Sparkle, Charles? Quoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Mais étoile, tu sais que l'haricot magique, le mois prochain, il y aura plus d'haricot magique. En fait, mon objectif, c'est de tout enlever les récompenses de points de chaîne et en laisser une seule. Mais je sais pas laquelle. Je sais pas du tout laquelle que je pourrais laisser, les gars. Je sais pas. En fait, il faudrait créer une nouvelle récompense de points de chaîne très spéciale que le monde peut claquer relativement souvent. Et on enlève tout, on laisse que celle-là. Un truc comme ça, genre. J'aimerais beaucoup. Voilà, j'attends le rerun de Kafka pour relancer HSR. Mais non, mais bah oui, mais si t'attends le rerun, quand tu auras le rerun, t'auras pas de vœux, Kozu. Si tu relances pas avant, t'auras pas de vœux. Bravo, Kozu. Bonne chance à toi pour le coup. Elle revient bientôt, Sparkle. Ouais, c'est la prochaine match, je crois, non? C'est la prochaine match, Sparkle, ou l'autre d'après, les gars? Bonsoir, Xitrix, comment ça va? Ah, les gars, je me sens comme si j'avais été longtemps sans parler et que là, parler, ça me fait du bien. Je sais pas, c'est bizarre. Ah, deuxième partie de la prochaine mage Spark. Ah, ok, d'accord. Donc, c'est pas la prochaine bannière, c'est l'autre d'après. Ah, ça va, les gars, je vais me mettre bien d'ici là. Oh là là, je vais me mettre tellement bien d'ici là, les gars. Je vais avoir minimum la 1-1 et il me faut son compte de lumière. Ah, je commence à y croire, les gars. Je commence à y croire de fou pour le coup. Il faut minimum la 1-1 et après son compte de lumière. Let's go, je suis sûr que je vais l'avoir. Ah, c'est sûr, les gars, c'est sûr. Sparkle, elle est à moi, les gars, vous allez voir, je vais me l'approprier. Ambitieux, non, c'est pas ambitieux. C'est juste. Je sais que je vais avoir de la chance. Je sais qu'il y aura plusieurs vœux de la chance dans mon invoque. Ça va bien se passer. T'inquiète. Non, t'inquiète, vole pas ma loc. Non, je vole pas ta loc, t'inquiète. Le mec. non, c'est Rever. Hein? Rever. Quoi? Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi t'as dit ça. Il a déjà volé ma loc. C'est pas vrai. Arrête de dire ça. C'est pas vrai. Il y a. Cousin, c'est une menteuse, les gars. Il nous a tous volé. Vous êtes fous. Moi, j'ai pas cherché à farmer les jades avant le rerun de Sparkle, donc regardez où j'en suis. Kalcharo en est la preuve. Bah, t'as eu Kalcharo, c'est trop bien, c'est un des meilleurs persos du jeu, cousin. Genre, sois contente. T'as eu de la chance de fou là. T'aurais pu avoir, je sais pas moi, un perso 5 étoiles flingué, genre. T'as eu Kalcharo, c'est trop bien. Ah, je pense qu'il vole ma loc en ce moment même. Non, pourquoi tu dis ça, Ré? Il est de l'agente masculine, c'est vrai que ouais, toi t'es deck pour ça, ouais, c'est vrai. Mais tu vois, encore une fois, moi je suis particulièrement fan de l'agente féminine. Et pourtant je trouve cool Kalcharo. Je voulais Jinxing, mais pas beau le Cal. Le Cal, mais pourquoi je comprends rien de ce que tu me dis aujourd'hui, Riri? Oui, mais pas beau le Cal. Je pense que je suis pas toute là en fait. Yo Wavy, comment ça va, mec? Pardon, pas mec. Miss. Ok. Je parlais d'une autre Miss. mais toi, t'aimes encore bien la jante masculine. Non, mais j'aime quand même mieux les waifus en vrai. En vrai de vrai, Kuzu, il y a quand même 50%. Il y a 50%. Comment je pourrais dire? Les raisons pour lesquelles je joue à des gachas, c'est 50% parce qu'il y a des waifs. Un gros 50%. Si ce serait que des mecs,
je pense pas que je jouerai au gacha, les gars. Parce que j'aime le fait de pull et d'avoir des waifu dans le jeu. J'aime trop. C'est totalement différent de dans tous les autres jeux où est-ce que, bah, du coup, il n'y a pas vraiment de waifu. Il n'y a pas de vrai waifu. Là, ici, t'as le choix et t'as des persos. Tu peux vraiment avoir des waifu dans le jeu et tout. J'aime beaucoup. C'est comme dans les animés et je trouve ça trop cool. Ah, j'ai entendu MDR. Non, non, t'as rien entendu. T'inquiète, t'as rien entendu, Waby. C'est pas ce que tu crois. moi sur Genshin j'ai 50%, sur HSR c'est 99%, comment ça? Arrête de te mentir, la jante féminine est meilleure MDR. Non mais c'est ce que je dis, exact, je suis d'accord. Ah non mais je suis 100% d'accord avec toi Wavy. Y a même pas photo pour le coup. Bon, bah là je crois que c'est le moment. Ah là, je crois que c'est le moment les gars. Là il va falloir que j'aille dans les MOC. Est-ce que vous avez des conseils pour moi avant que je me fasse quick. Bonjour, Tchouch Vodka, comment ça va? Bienvenue à toi. Non, un conseil, pleure. Non, arrête. Oh, attaque de suivi. Il y a des... ok, d'accord. Attends, mais c'est où? What the fuck, c'est où? Ok, c'est là. C'est là, je crois, hein. Ouais, c'est là, je crois que j'ai... Comme je vous ai dit, j'ai fait le niveau 7 hier pour arriver au moins au niveau 7. Et comme ça, on commence au niveau 8 et on commence parce que c'est déjà un peu plus corsé pour moi, pour le coup. Ok. Du coup, tu me dis attaque de suivi. Regarde, j'ai déjà fait une attaque de... une équipe attaque de suivi en plus. Il y a moyen que je gagne, du coup. En vrai, je vais tester comme ça. Je vais tester comme ça, on verra. Peut-être que ça va être nul à chier aussi, c'est possible. Hein. Mais c'est fort possible, même. je vais tester, ok. Peut-être que ça va être nul, c'est possible. Ça va et vous? Moi, je vais très très bien, Vodka. Ça joue à quoi ces temps-ci, Vodka? Attendez. Ouais. Je suis allé à l'étage 7 max. Ah! What the fuck? Je pensais que t'allais plus loin que ça, j'avoue, Oxan. Non, il n'y a pas de bonus attaque de suivi, rêve pas Pep, ça aurait été trop bien, ça aurait été trop cool les gars. J'aurais surkiffé qu'il y ait le bonus attaque de suivi. Hein. Bam, bam, j'ai aucun... Ah oui, non, lui il peut attaquer. Joue ratio, c'est mieux. Ouais, mais mon ratio, il est pas bien monté, c'est pour ça que je joue pas trop Xtrix, mais je sais qu'il aurait été mieux, ouais. Je sais, mais là, du coup, j'ai mis une team attaque de suivi pour rien les gars. Vous vous foutez de ma gueule, vous m'avez dit attaque de suivi. Genshin Honkai Zenless. Ah bah pareil du coup Vodka. Et Zenless Zone Zero, t'as des trucs négatifs et positifs à dire dessus? Je veux dire, pour toi c'est aussi bien que Honkai Star Rail et Genshin Impact ou pas, Vodka? Ah, j'ai pas les persos adaptés. Oh non merde, attends, je vais pas mettre en je mets en automatique? Non, si je mets en automatique je vais me faire éclater je crois les gars. Ah, vas-y, je m'en automatique, vas-y. On verra ce que ça donne, les gars. Genshin Honkai et Zenless, moi j'ai pas les persos adaptés. J'avoue que j'ai même pas lu c'était quoi le bonus du MOC aujourd'hui. Après, je vais regarder pour le coup, les gars. Tu fais des persos mystères aujourd'hui sur Honkai? Non. Ah, en tout cas, je pense pas. Normalement, on fait que les AB. Je pense pas qu'on va avoir le temps de faire autre chose. Mais ouais, si on le termine avant, on va sûrement faire le US Mystar pour le coup, oui. Ah, j'ai pas de DPS glace, du coup je peux pas... Ah! What the fuck, comment ça DPS glace? Ah oui, le 7. Mais le 7 c'est glace, mais après là c'était pas glace pour le coup. Là j'ai pas besoin de glace. Perso, j'ai fini un max d'étoiles, mais le dernier étage j'ai transpiré. Merci beaucoup Wavy pour son 8e mois d'engagement sur le Nexus. Merci beaucoup Wavy, ça fait super plaisir. Let's go, ça me fait trop plaisir les gars. Perso, j'ai fini max étoile, mais le dernier étage j'ai transpiré. Ok, j'avoue que jusqu'à maintenant ça m'est arrivé juste une fois une ou deux fois de terminer 100% les MOC. Alors depuis qu'ils ont augmenté la difficulté, depuis qu'Acheron, j'y arrive plus les gars, je crois. Parce qu'ils ont augmenté un peu la difficulté depuis qu'il y a Acheron dans le jeu. Mes records aussi, c'est vrai qu'il va falloir regarder tes records, Svarok. Tu me le dis tout à l'heure, quand je vais avoir fini les abysses, les MOC, tu me le dis, on regarde tes records, Svarok. Ah, c'est ok pour le moment, j'aime juste moins la partie qui se passe dans l'ordi... Ouais, avec les télévisions, là.
J'avoue que c'est ce que j'aime le moins aussi. Je trouve que ça, en fait, ça casse le rythme du jeu beaucoup trop. Mais quand le rythme du jeu est très très saccadé, c'est dynamique de fou et tout. Mais genre, dès que tu rentres dans le truc des télés, t'es en mode putain, mais qu'est-ce que je fais là, genre. C'est fou, je comprends pas pourquoi ils ont fait ça, genre. Et du coup, j'avoue que le charo est assez fort. Vas-y, je savais, j'ai pas besoin de lire le reste du message, Kuzu. Je m'arrête là, c'est bon, j'ai compris. Tu l'adores. Ah merde. Je fais partie de la gente masculine, donc en tant que lesbienne et qui se respecte, je ne le jouerai pas. Non mais attends. Oui, je sais, c'est pas parce que je suis lesbienne que je peux pas jouer des persos hommes. Me chope pas la veste, MDR. Non, c'est ça. Mais non, mais je te comprends. Je te comprends parce que moi qui, bah, du coup, est hétéro, bah, je sais pas si ça a un sens, si c'est vraiment ça. Mais j'avoue que j'ai plus envie de jouer des persos meufs que des persos mecs. Mais en même temps, j'aime qu'il y ait les deux, tu vois. S'il y aurait que des persos meufs, moi, ça me repousserait un peu, même si pourtant j'ai juste envie de jouer des persos meufs. C'est bizarre un peu, non, Kuzu? C'est vraiment bizarre, je trouve. En fait, je me dis, j'aime qu'il y ait un équilibre, en fait. J'aime qu'il y ait un équilibre, et même là, il y a quand même pas mal plus de meufs que de... que de waifu, pour le coup. Que de mecs, je veux dire. Ok, bam. Non, Lee, non, t'inquiète, j'ai lu. Non, mais maman, t'as besoin d'avoir... attends, Acheron, Firefly, maintenant... non, et maintenant, t'as besoin d'avoir un DPS faiblesse glace. Vent, Imagina, je crois, du coup, je suis dans la merde avec Topaz. Oui, j'avoue. T'es dans la merde. Ou sinon, t'as besoin de rien de tout ça et t'as juste besoin d'une Silver Wolf dans l'équipe, Oxon. Parce que Silver Wolf, bah, c'est un peu la vie, quand même, sur le jeu. Elle est trop bien, les gars. Silver Wolf, en fait, vous n'avez pas besoin de changer d'équipe quand vous avez une Silver Wolf dans l'équipe. Vous pouvez garder toujours la même équipe. C'est banger de fou. C'est ce que j'ai aimé dès le début du jeu, moi, perso. Un peu, ouais, du pep, ça c'est un homme qui stream, t'as pas le droit de regarder son stream. Quoi? Oui, c'est vrai! Kuzu, ça veut dire que tu me détestes depuis le début? T'as voulu être modo juste pour me... Je sais pas, là. Je sais plus. Où est-ce que je partais avec ça, je sais pas. Ah merde, je vais crever les gars, c'est pas cool ça. Ah ouais, non, je suis mort. Ah merde. Ah, je suis mort, je crois. Merde. Le seul homme que je joue dans nos chers jeux gacha, c'est l'ancestral Bennett. J'avoue, Bennett... Ouais, Bennett, Bennett, il a un truc. J'avoue, je te comprends. Je te comprends, Bennett, il a un truc. En plus, c'est un rigolo, ça, j'aime bien aussi. Ah, je te joue pas, la dernière nouvelle. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est assez vrai pour le coup. T'as raison. Je suis mort. Ah, je suis peut-être pas mort, les gars. Je suis peut-être pas mort. Je suis mort. Ok, on a un problème là, par exemple. Cette équipe, elle restera jamais en vie avec WoW, elle pue la merde. Je vais enlever WoW, mes gars. Je viens de réaliser que lui, contre lui, il me faut un vrai perso de survie, pas une petite merde comme WoW. Je vais prendre L. Bam. Ouais, ça va être bien. Après, derrière, je pense que c'est bon. Juste ça va être bon en vrai. Je crois, hein. J'espère en vrai. J'espère de fou que ça va le faire. Je sais pas du tout si ça va le faire. On verra. Quand elle applique le mauvais élément, comment j'ai envie de l'insulter? Non, mais c'est parce que t'as mal fait tes équipes et qu'il te faut un peu plus de chance. Il faut, tu sais que dans la vie, Xitrix, tu dois vraiment t'arranger pour augmenter ta stat de chance. Sinon, dans la vie, tu te retrouves trop dans la merde, trop souvent. Genre, faut vraiment que tu t'augmentes ta stat, Xitrix. Alors, c'est toi le petit. Pas WoW. Bah, WoW est quand même assez petite pour le coup. Je pense que j'ai sa grandeur. Hein. Sincèrement, je dois avoir la même grandeur qu'elle, Xitrix. Peps, en attendant, moi je passe l'étage 12 full étoile avec Lucha. Ça, c'est cool. Ça, c'est très cool pour le coup.
T'imagines, t'imagines comment t'es fort, Riri, quand même. Tu te balades avec un boulet au pied et quand même tu réussis, t'es trop fort en vrai. Le mec. Je voulais tellement wow wow, mais je dois pas pull. Non, non, pull pas wow wow, vraiment ça vaut pas le coup. Bah quoi que, en vrai, si je me rappelle bien, toi tu manques de survie. Hein. Tu manques de survie toi, il me semble, non? Mais elle est incroyable. Bah regarde, là je suis obligé de prendre Fushuan parce que wow wow, elle est pas assez bien. Non, c'est pas vrai. Les gars, en vrai, j'ai mal fait la rota tout à l'heure. J'aurais pu me soigner avant. Quoique non. J'avais même pas besoin de me soigner, ma Kafka, je crois qu'elle était max PV. Juste, elle s'est fait one shot parce que, bah, du coup, il y avait personne qui me protégeait, quoi. Là, je suis passé avec Gallagher, MDR, l'étage 12. GG! Gallagher est bien, en vrai. Gallagher est vraiment bien. Mais il faut avoir un peu de chance, je pense. T'as recommencé plusieurs fois ou t'as eu de la chance et tu l'as eu du premier coup, Wavy? Là, j'ai Lynx, Nashasha, Beilou. Je vais pas aller loin. Ouais, j'avoue. Non, bah, t'as Lynx. Déjà, t'as Lynx, c'est bien. Faut monter Lynx et Gallagher, c'était deux meilleurs pour le moment, Oxfam. J'imagine que t'as Lynx et Gallagher. Ouais, t'as Lynx, t'as écrit Lynx, mais tu dois avoir Gallagher aussi, Oxfam. Ouais, j'ai Gallagher, ouais, c'est ça, t'as Gallagher, exact. Tu dois l'utiliser en vrai. En plus, E5, c'est bien. Deux ou trois fois avec plusieurs teams, bah c'est ça, voilà. Non, mais c'est ça le truc, par exemple, avec les healers, les gars. Souvent, vous allez être obligé de recommencer plusieurs fois parce que parfois, bah, vous allez vous faire one shot ou des petits trucs comme ça. Ou il peut arriver plusieurs choses. Mais c'est pas pour autant que sont nuls. Juste, il faut. C'est même pas que vous devez être chanceux. Vous devez juste pas être mal chanceux. C'est plus ça en fait. Il y a un peu d'RNG avec les healers. Ce qui n'a, ce qu'il y a beaucoup moins avec les tanks pour le coup. Je veux ma E6, elle veut même pas le build. Pourquoi tu veux pas build? Ouais, mais on s'en bat les couilles qu'il soit moche. Non, c'est pas vrai, t'inquiète, moi je te comprends. Je te comprends. Je te comprends, ne t'inquiète pas. Hey les gars, je voulais essayer tout à l'heure. Et c'est vrai, je vais... Ah non, c'est vrai, je peux pas l'essayer en stream. Faut que je l'essaie avant. Je voulais essayer en fait de regarder si je pouvais retrouver comme avant une application un peu comme Snapchat pour que je puisse l'utiliser en stream et que vous ayez la possibilité de changer mon visage, de foutre des filtres sur ma gueule pendant que je suis en stream. Vous aimeriez un truc comme ça ou pas? Parce que exemple, avant j'en avais un. Je vous montre une gueule que j'avais quand j'avais un filtre. Attends. Je la trouve super drôle. Je la trouve super drôle. Attendez. Bam, bam, et... Bam. Exemple, j'avais celle-là. Je l'avais trouvée bien drôle, celle-là. J'aimerais bien refaire des filtres comme ça. Je pense que ce serait très drôle, les gars. T'imagines me voir dans mes réactions sur Dead Space? Ce serait tellement drôle. Sinon j'avais celle-là, mais elle est moins drôle quand même. Je sais plus pourquoi j'avais mis celle-là. Ça faisait un gros nez et il était tout flasque, genre c'était dégueulasse. Sinon on avait quoi d'autre? J'en avais plusieurs avant, c'était assez cool en fait. Mais juste l'application, elle avait commencé à bugger et il commençait à avoir de la merde avec l'appli. Ah, mélanger à Dixport, je veux. Pepsovo fait 1m55. Tu m'as dit que tu faisais 1m53 environ. Non, je fais environ 1m50 pour le coup. Je sais pas exactement en fait, mais environ 1m50, toi. Elle est plus grande que toi. Ouais, elle est plus grande que moi. Mais c'est tout ça, c'est à cause de sa grosse queue, les gars. J'ai pas une aussi grosse queue que. Wow, wow, hein, je vous le dis, les gars, c'est impossible. Je veux bien, mais. Oh, non, quand même pas. Quand même pas, les gars. Ah merde, pourquoi je dis des trucs comme ça, c'est affreux. Ça n'a aucun rapport, Kuzu. Ah merde. Ah oui, Oxo. Je lui ai dit, ouais, ouais, elle a une grosse queue là. Ok, je veux la poule, let's go. Ah ouais, Oxo, tu m'as tué. Alors peps, mes teams pour passer l'étage 12, j'ai fait Acheron. Bon bah, juste à Acheron, tu peux la mettre en solo et tu passes, je pense. Là, après, t'as Lunae, Rwanda, ah ouais, Lunae E6.
Moi, bah, je pense que t'aurais pu, si tu veux. Je pense que limite, tu peux peut-être jouer Acheron tout seul. Et à côté, tu joues Lunae E6 et t'es tranquille, hein. Tu peux enlever tous les autres persos de l'équipe, même peut-être, non? Je sais pas. Non, peut-être je surestime là, peut-être quand même. Je surestime peut-être quand même là. Imaginez, je fais une multi sur Uroo et je l'ai. Tu sais que c'est exactement ce que j'ai fait, Oxo. Ne fais pas ça, tu vas le regretter. Moi, je le regrette pas. Mais je la déteste. Ah, je la déteste, cette Uroo, pour le coup. Je garde le reste pour Sparkle. Bah, en vrai, t'es à combien de pitié là pour le moment, Oxo? Merci beaucoup pour les 180 visionnements de Suitatsu, c'est incroyable, c'est trop, comment vas-tu? Je vais bien. Et toi? Dire que t'aurais pu avoir Topaz à, tu sais, à genre 3-4 vœux près, j'avais Topaz, je suis tellement dégoûté, au lieu de cette flinguée de Uroo, j'aurais eu Topaz, ça aurait été tellement bien en vrai. Juste là, je l'aurais joué avec Aventurine, mais de fou. Oh là là, ça aurait été trop bien. Alors, Pep, tu rigoles pas mal de ça, mais Lunae, c'est un perso full DPS, mais zéro survie. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Je suis obligé de les avoir avec lui. Ouais, mais imagine, il fait plus de dégâts de prévu, et du coup, t'as pas besoin de survie parce que tu te trouves vite. C'est possible aussi, non? Je sais pas, en vrai. Bon. Là, on va passer aux choses sérieuses, les gars. Là, c'est bon, on arrête nos conneries. Lui, il me faut une très très bonne force de frappe. Alors, ce qui va se passer, les gars, c'est qu'on va lui faire des dégâts extrêmes à lui, je crois. Ouais, lui, on va lui faire des dégâts extrêmes. Je pense qu'on va, faire ça comme équipe. Parce que comme ça, lui, on va le tuer tellement vite avec la rupture extrême que ça va le faire. Vous en pensez quoi? Je pense que ça peut être une équipe qui passe, non? Dire que tu aurais pu avoir alors non, c'est ce que j'ai lu. C'est le camp de Clara et pour ça Peps c'est possible mais pas au 12 car c'est des sacs à PV. Ok. Qui va faire les dégâts? Bah ici j'ai Dr Ratio et Aventurine qui font quand même de mon dégât Rixitrix. Dr. Ratio, il est pas bien build, alors bien évidemment, il va faire moins de dégâts qu'un bon Dr. Ratio, mais ça va passer, je crois. Et Aventurine, il est fort. C'est un sub DPS, mais il fait, je pense qu'il fait au moins autant de dégâts que Dr. Ratio, pour le coup. Peps, j'ai 0 de pity, je crois que je peux avoir ma Uroo en une multi. Bah vas-y, oui, non, si t'es à 0 de pity, fais une multi, si tu l'as... T'es tout bénef. Si tu l'as pas, t'es tout bénef aussi parce que t'as avancé ta pitié en vrai, Roxan. Vas-y, tu veux faire une multi sur la chaîne là maintenant? Ah merde! Ah merde! Oui, c'est une bonne idée. Ok, let's go. Let's go. Mais non, mais c'est. Oh, Kuzu, elle commence déjà. Genre, what the fuck? Ici je mets je vais mettre Fushuan parce que je veux vraiment survivre pour le coup. En vrai ici j'ai vraiment envie de mettre Silver les gars en vrai hein. J'ai envie de jouer une équipe super carry feu, c'est possible? Non, ça pue la merde. Non, ça pue la merde. En fait, est-ce que je mets que du feu? Je mets genre ça là les gars. Je mets ça. C'est que du feu en fait. Je me demande ça passerait ou pas. Je mets ça, je mets elle parce que bah du coup elle va quand même break et je mets ça. Ça passe ou c'est nul à chier ça les gars? Moi je pense que c'est nul à chier. Je vous jure, fais la multi sur la chaîne, je brise la malédiction, vas-y, invite-moi. Invite-moi en chat, je t'accepte, Oxo. T'inquiète, elle va briser la malédiction, vous allez voir les gars. Bah ou pas, attends, mais t'es quand même à zéro de pitié, hein. Même si tu l'as pas, c'est pas que c'est une malédiction hein, pour le coup. Ah, wow, c'est à la fin du mois, Peps. Et pas là, la bannière. Ah! Ah merde, je croyais qu'elle était déjà là. Merde, j'ai pas regardé la bannière présentement. C'est qui est là alors? C'est qui est là? J'ai pas regardé, je me rappelle même plus. C'est qui est présentement sur la bannière? Mon Twitch comprend plus rien avec la chaleur, comment ça? Qu'est-ce qui t'arrive de ton côté, Atsu? Je me rappelle, on s'était donné un défi sur la première bannière de Topaz. Le premier qui a Topaz a gagné. J'ai eu le bonheur d'avoir une
Hook, E6, incroyable. Ouais, mais t'inquiète, je me rappellerai toujours de ça, Kozu. Ah, c'était fou. Non, mais c'était fou, ça, Kozu, pour le coup. Hein. Ouais, mais c'est pour... Oh, 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 c'est nul, mais bon, ça change pas de d'habitude. Ok, bah vas-y, on va démarrer comme ça, alors. Il y a moyen. En vrai, c'est pour rire. On teste ça, les gars, et sinon, ça pue la merde, c'est pas grave. Peps va lire mon message au-dessus. Ah, merde, j'ai pas vu. J'ai manqué le message. Attends, renvoie. Sinon, faut que je monte et tout, genre. Peps, dans une semaine, j'arrête de reroll trop énervant avec une multi. Non, ça va le faire, t'inquiète. Ça va le faire, t'inquiète. Les gars, je pense qu'il y a Dr. Asio, il a même pas de compte de lumière, je crois. Je dis ça, je dis rien, mais je pense qu'il a même pas de compte de lumière. C'est Jade. Ah oui, c'est Jade en ce moment. Ben oui, je suis con, c'est vrai. Ah, c'est Wouwa. Ouais, c'est Wouwa. Ah, je vous jure, mercredi, je fais la multi sur la chaîne. Même deux multi. Let's go. Je suis prêt à regarder Oxo. J'ai hâte pour le coup. Attends, est-ce qu'il a un compte de lumière? Lui, il a un compte de lumière, ça va. Lui, il a pas de compte de lumière. Donc, on va peut-être quitter, les gars. Vite fait, genre, juste histoire de... Bah, de quand même équiper les persos, tu vois. C'est un peu compliqué si les persos sont pas équipés. Hein. Ah merde! Remember, on était sur Alan Wake, puis il y a Topaz qui a pop. Mais c'est trop bien, Kozu, en vrai. C'était trop cool. Bon, on a dit qui? Déjà, il y a Himeko. Il y a Himeko, il lui faut son compte de lumière, elle l'a déjà. Il y a Silver, elle est bien. Elle est pas en DPS pour le moment, mais elle va faire du dev break, c'est pas grave. Il y a Dr. Asio, il a besoin de son compte de lumière. Non, je me trompe, c'est lui. Ah non, c'est le décalage du stream, t'inquiète. Ah, ok, d'accord. Je suis à 177 vœux avec 13 de pity. 50-50, je suis bien. Let's go. Premier degré, j'y crois. Je pense pouvoir drop sur ta chaîne. Let's go, Oxo. J'aime ça que tu y crois, Oxo. Je suis... Donc, même si je... non, fou. Je veux pas. Si je farme bien, je peux avoir ma Chang'li. Bah oui, évidemment. Mais ça, je te l'ai dit. Mais en même temps, c'est vrai que c'est chiant farme autant de vœux quand tu pourrais l'avoir là, tranquille, tu vois. En fait, c'est dommage de dire qu'il va falloir que tu farmes quand tu peux juste faire des rerolls et l'avoir dès une première multi, genre. C'est dommage, en vrai. Kozu, elle est tombée, Chang'li, du coup. Non, pas encore. Ça va, le chat? Il va bien? Ah, t'es en train de le cuire? Ouais. il faut y croire, je suis à 15 de pitié. Vanille. Oui, c'est Vanille, les gars, exact. Ouais, mais je vous ai dit... Ouais, mais le chat, je sais pas, je crois qu'il a eu un traumatisme ou un truc parce que... Elle se balade, tu vois, dans la maison, mais nous crache dessus, elle fait comme... Elle fait tout ça tout le temps, genre, mais genre, elle nous regarde, elle vient nous caresser, genre, elle vient se caresser sur nous et tout, mais en même temps, elle est... Je crois qu'elle a un traumatisme, clairement, là, les gars. Il s'est passé un truc dans sa vie, elle s'est fait tromper 8 fois, elle a eu... Je sais pas, elle doit avoir 8 pensions alimentaires à payer, je sais pas ce qu'elle a, les gars. Aucune idée. Il reste combien de jours? Je sais plus. t'as vu, Kozu, il y a un... Il y a un nom de bouffe. Ouais, c'est vrai, on voulait te dire, c'est vrai. Elle s'appelle Vanille, Kozu. Mais c'est pas mon chat, hein. On la garde pour le moment, mais j'avoue que... Bah, elle a commencé à nous attaquer pour absolument aucune raison et tout, alors... J'ai hâte qu'elle parte. J'aimerais bien avoir mon propre chat, mais elle, pas ouf, quoi. Je suis vraiment pas content d'avoir ce chat, pour le coup. Et pourtant, j'adore les chats. Ouais, vas-y. Bam. 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 Bonjour, Emery, comment ça va? Ah, tu devais être un chat, Peps, tu le fais bien. Ouais, t'as vu, c'est fou. Hein. C'est incroyable. C'est incroyable, c'est fou, c'est trop bien. T'as vu, je suis trop fort là. Ça se passe trop bien, les gars. Bam. Ah ouais, là en plus il a la faiblesse glace, c'est parfait les gars. C'est parfait, c'est incroyablement trop bien pour le coup. Préfère les chiens moi. Bah ouais, je comprends. Mon fils il préfère les chiens aussi, il aime un peu plus les chiens. Moi je suis vraiment un fanatique de félins pour le coup. J'avoue par exemple que depuis que je suis allé m'informer là pour les fennecs, je trouve ça trop beau. Wavy, t'as déjà vu des fennecs?
C'est sublime, c'est un genre de mix entre un chat et un chien, c'est trop trop beau. Oh, je veux un fennec dans ma vie les gars, j'ai besoin d'un fennec dans ma vie. Ça va et vous? Je vais très très bien pour le coup. Qu'est-ce que ça joue c'est aujourd'hui, Emery? Ah ouais les gars, on lui fait des bons dégâts. Hein. Je pense que c'est un bon choix ce qu'on a fait. Il est pas resté en vie longtemps pour le coup. On l'a déglingué. Ah Pep, je suis prêt à choisir Jepard en 5 étoiles au choix sur la perma. Il me manque 45 vœux. Ah ouais, j'avoue. J'avoue qu'un Jepard, comme ça, t'es pas obligé de pull un perso de survie. Mais Jepard, avec le temps, je crois qu'il va commencer à être un peu obsolète, je t'avoue, Oxon. Parce que avec... en fait, avant, tu voulais que tous tes persos aient minimum 134 de vitesse. Pour qu'il soit... du coup, t'avais un Jepard qui devait être plus que ça pour pouvoir bien protéger ton équipe. Mais maintenant, la vitesse, elle a augmenté depuis quelques mages. Et puisqu'il te faut plus de vitesse, bah, t'as moins de défense, donc c'est plus difficile à opti, et donc c'est plus difficile à jouer un peu dans le jeu. Je dirais que c'est encore bon pour le moment, mais il y a moyen qu'il se fasse... Ouais, il y a moyen qu'il devienne obsolète dans quelques mages, en vrai, Oxon. Comment ça vient, en vrai. Je serais pas surpris. Hein. Mais ouais, c'est un très bon shield. Ouais, oh, ouais, c'est un très bon shield. Hein. C'est... Bah, il y en a pas beaucoup dans le jeu, j'allais dire c'est le deuxième meilleur en même temps. C'est... Il y en a tellement peu, c'est pas un exploit d'être le deuxième meilleur pour le coup, mais il est vraiment bien pour le coup. Surtout pour un perso perma, je le trouve incroyable, moi, le perso. Oh la Sparkle! Oh oh oh, le flex de la Sparkle, les gars. Je finis mon combat et on fait ta Sparkle si tu me permets, Emery. Regardez, les gars. J'ai mis en long là, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a pas eu de montée de vitesse. Oui, oui, il y a quelques mages. Maintenant, on doit, si possible, être un peu plus que 134 de vitesse. Je sais plus c'est quoi la vitesse pour être plus vite que tous les mobs, mais il y a des mobs qui sont sortis en fait qui sont un peu plus vite maintenant en Zarg. vas-y, bam. Je vais pas faire l'ult de l'autre maintenant. Clac. Clac. Vas-y, là je vais faire l'ult et là je vais break juste après les gars. Faut pas regarder la main stat. Oh oh, comment ça? c'est pas la bonne main stat, Emery. Ah, j'ai hâte de regarder ta Sparkle en plus parce que je vais bientôt la build là quand je vais la pull et tout. Donc j'ai vraiment envie de regarder des Sparkles pour pouvoir voir un peu ce que vous avez, vous qui avez Sparkle depuis déjà un moment pour le coup. Ah ouais les gars. Là je rigole pas du tout avec la rupture extrême les gars avec cette équipe hein. Ça rigole pas du tout. Wouah, c'était... Non c'était facile avec cette équipe hein. Cette équipe elle me fait peur par exemple. Cette équipe me fait très très peur. Ah, la nouvelle partie. Non, ça c'est bon, j'ai lu. J'ai le con en plus. Je veux dire, c'est pas pour moi. J'ai le con en plus. Il est bien en S1. Ouais, oui, le con de lumière, il est incroyable, Oxon. Et il est vraiment dirigé survie. Mais il est trop bien. C'est le con de lumière qui donne le plus de défense de tout le jeu pour le coup, Oxon. Il n'y en a pas de meilleur pour ça. Genre, si tu voudrais un aventurine full sustain. Bah tu veux le compte de lumière de Jepard et pas celui de d'Aventurine pour le coup. Il est trop fort. Disons on met ça. Lui il fait quoi? Il attaque? Ah merde. Je voulais pas attaquer mais bon. Tu veux ma Sparkle à 60 de vitesse à 200% de décès. 200% de décès, je trouve ça un peu bas en vrai, Riri. J'espère réussir à atteindre les 300%, Riri. J'espère. Mais je sais pas si je vais réussir. J'espère vraiment réussir moi. Pour ce que je veux en tout cas, je trouve ça un peu bas les 200. Bonjour Red Stock qui ne dit pas oh my god, qu'est-ce qui t'arrive? T'es malade, t'as la fièvre? Qu'est-ce qui t'arrive Red? en 8 cycles, ça peut être possible d'aller peps, on croit en toi. Oui, je pense que ça peut le faire, ou pas. On verra. Je sais pas en vrai, hein. On verra bien ce qui se passe les gars.
J'ai peur un peu, je vous avoue. Il donne tellement pas de PV. Bon, mon gars, le gars, il soigne pas du tout, les gars. C'est la merde. Ah, ça va être compliqué, je le sens. Au moins, je le break vite parce qu'on a vraiment que des persos feu dans l'équipe, les gars. Ça, c'est cool. Ah, j'ai 250 de décès. Ça, c'est bien. 250, je trouve que c'est vraiment bien pour le coup. Ah, mais tu t'en fous de la vitesse, toi, alors que moi, je joue à 160, quoi. Ouais, mais je vais quand même essayer d'avoir de la vitesse aussi. Une fois optimisé, ouais, clairement, je vais quand même essayer d'avoir de la vitesse, Riri, pour le coup. Mais ouais, je pense pas que je vais atteindre les 160. Peut-être 140, 150, genre. Ah, moi, j'ai 200 de TC sans le compte. Ça va être compliqué, je me sens. Comment ça, ça va être compliqué? Je le sens. Ok, d'accord. J'ai eu peur, Red, j'avoue. J'étais en mode je me sens, de quoi tu me parles? Vas-y, on va remplacer le M par le L, c'est parti, c'est bon, c'est mis. Silverwolf, elle fait quoi? Elle est en mode spectateur, c'est exactement ça pour le coup, hein. C'est exactement ça. Elle sert à rien pour le coup, elle sert vraiment à rien dans l'histoire. Je sais même pas pourquoi je l'ai mis là en fait, je réalise. C'était au cas où qu'il y avait un mob qui avait pas de faiblesse feu, comme ça je peux mettre la faiblesse feu. Mais je pense qu'ils ont tous la faiblesse feu, du coup elle est vraiment inutile. Ouais, j'avais un build de 152 de vitesse et 253 d'essai, mais Xitrix il m'a fait changer. Comment ça? Pourquoi? Ben j'avoue que si t'atteins les 160, c'est quand même vraiment bien. Même si tu baisses un tout petit peu en DC, parce que si t'atteins les 160, bah tu joues une deuxième fois et c'est vraiment intéressant, mais. Si tu veux un max de DC, pull le compte. Oui, je sais, il va me falloir le compte pour le coup, je sais. Mais bon, il va me falloir assez de vœux, quoi. Je sais pas si je vais réussir à l'avoir, pour le coup. Silver, elle est juste pour flex, 106-6, c'est une prouveuse. Bah là, pour le moment, elle est en mode que vitesse. Elle a 178 de vitesse, mon but c'est d'atteindre les 180 de vitesse, et elle a aucun DPS. Elle pue la merde, là, en ce moment. Elle est en full support, en fait. Elle est en full support. Je vais mourir, là, je connais. Ah oui, non, j'ai donné plus de PV, ça va. Ah, sur Sparkle, c'est mieux d'avoir 161 de vitesse. Ah, 161, ok. D'accord. Bah là, pour le coup, oui, non, mais dans le jeu en entier. Ouais. Parce qu'évidemment, moi, je vais pas, vous savez que je vais vraiment build 100% dégâts crit pour les records de dégâts. Mais ouais, c'est ça, pour le jeu en entier, c'est vraiment bien d'avoir beaucoup de vitesse, quoi. Je sais. Pour le moment, ça passe, les gars. Hein. Pour le moment, je pense que... Oh, oh, j'aurais dû fermer ma gueule. Je me suis fait ken. Ah, je me suis fait instant karma, les gars. What the fuck, je me suis fait instant karma. Ah, ça a pas pris 2 secondes, les gars. Non, j'ai oublié. Imagine, tu pulls Silver Wolf C6 pour jouer support. Non, mais je vais lui faire 2 builds pour le coup, Xtrix. Mais je voulais faire aussi le record de dégâts avec elle aussi, c'est pour ça. Du coup, moi, mon build de record de dégâts, c'est le même pour Silver Wolf ou Yanqing, c'est le même. Yanqing, Silver. Non, y a pas Yanqing, Silver Wolf. Ça serait plutôt Silver Wolf et. Je sais plus quel autre perso qui avait le même build qu'elle. Ou peut-être qu'elle avait son propre build, je sais pas, mais j'ai les pièces encore, tu vois. C'est étage combien? Je suis à l'étage 6. Non, je sais plus. Je sais plus pour le coup. Je suis dégoûté. Wouah, t'as vu, j'ai même pas dépassé encore les 400k, les gars. Mais en fait, non. Hors live, lorsque j'ai testé la rupture, les gars, j'ai dépassé les 400k. Je sais que je peux le dépasser et le filmer, mais je l'ai pas encore fait parce que j'attends d'avoir Sparkle pour vraiment jouer l'équipe dégâts crit, en fait. Je pense qu'elle va être plus intéressante avec ça. Ah, tu viens de commencer, ça doit être 3 ou 4 max. Tu fais le flex. Ah oui, c'est vrai. Oui, on va faire le flex pour le coup. Évidemment, vous avez raison. Enka Network, c'est parti. Clac, clac. La petite Sparkle, les gars. Une belle petite Sparkle. On va aller voir à quoi ressemble ta Sparkle, Emery.
Je veux voir sa Sparkle, moi aussi de fou. On reçoit aujourd'hui en consultation une Sparkle niveau 80 avec un nez dans l'ombre, donc ce sera pareil comme ma Sparkle. Tu vas sans compte de lumière, donc normalement, si j'ai beaucoup de chance, ce sera pareil comme ma Sparkle. On a les aptitudes en 16, 10, 10, 10. On a le messager de Hackerspace comme 7 de reliques et qui est brisé comme ornement. Donc, idéalement, je builderais exactement comme ça. Évidemment, puisque je veux build en full critique, je pourrais pas build comme ça parce que bah, mes pièces, j'ai pas beaucoup de pièces Hackerspace. Il va falloir que j'en farme beaucoup pour le coup. Il part bien, ouais il part très bien pour le coup, tout est bon pour le moment, c'est un sans faute, on va regarder les stats pour le coup. J'avais drop Sparkle à l'époque MDR, elle doit toujours être level 1, c'est drôle ça. Et tu joues plus à Honkai Red? Donc on a le casque avec 2% de chance critique, 18% de dégâts crit, bon nice, 4 de vitesse. On a les bras avec 16% de dégâts crit, 4 de vitesse. On a le torse en main stat dégâts crit avec 9 de vitesse. Ouah, ça c'est beau. What the fuck. Ah, le torse, il est méga banger pour le coup. Ah ouais, le torse, j'aimerais tellement avoir ça. En plus, t'as effet de rupture, genre 8% d'effet de rupture qui est parfait avec le ki brisé. Ça là, ça c'est une giga masterclass. Ton torse, il est incroyable, Emery. Ça va me prendre des mois, ça va me prendre 6 mois, peut-être un an avant d'avoir un torse comme ça, je sais. Hein. Ah ouais, torse impossible à drop, genre il est fou, son torse, il est complètement dingo pour le coup. Waouh, ah je suis... Ah c'est... Oh ouais, d'accord, ça va être compliqué de surpasser ça. Les bottes de vitesse avec 10% de dégâts crit, ok, ça va être surpassable pour le coup. L'orbe dégâts quantiques... Avec 11 de vitesse, what the fuck? Ok, ça... Ouais, t'avais envie d'être vite pour le coup. Corps de recharge d'énergie avec 17% de dégâts crit, ce qui nous fait en tout 161 de vitesse, 234 de dégâts crit. Ok, non, c'est bien. Non, en vrai, c'est giga bien pour le coup, hein. C'est banger. Et t'as la corde d'énergie en plus, non, c'est... Pff, ouais, c'est giga banger. T'as les 44% de résistance aux effets. Je viens de voir, les gars, elle a des ascensions résistance aux effets. C'est trop bien, ça. Je savais pas qu'elle avait ça. Ça va aider à la build avec qui est brisée, ça. C'est trop bien, pour le coup. Ouais, magnifique, la Sparkle. Je suis jaloux, hein. J'espère que je vais arriver et que je vais réussir à avoir une Sparkle aussi bien. Ok, disons que j'oublie un peu la vitesse, parce que ça, je m'en fous un peu. Mais j'espère avoir au minimum au moins autant de dégâts crit que toi, pour le coup. Donc l'orbe quantique pour les records de dégâts. Ouais, c'est ça, bah oui, mais l'orbe quantique, t'es pas obligé de l'avoir là pour le coup. Si tu fais. Ah, j'avoue que je sais pas comment elle attaque Sparkle. Ce serait ton build de record de dégâts aussi? Ah, peut-être en vrai. Est-ce qu'elle manque pas d'attaque un peu? Je sais pas. En vrai, je sais pas. Comment ça, 3 de dégâts crit, Xtrix? Il y a un souci là, non? Moi je fais mes records avec le build Acheron, let's go, voilà. Ah, c'est ce qu'il faut faire, je pense, hein. Il faut changer le build tout simplement. Non, mais je fais pas les records de dégâts avec Sparkle, je la laisse à Ox. Ah, ok, d'accord, ouais, je vois. Ok, on continue, vas-y, bam. Je vais faire un peu de death break. Ouais, ils font des dégâts. Ah ouais, c'est ça qui me fait trop mal, les gars. Après, tout le monde est blessé en même temps et c'est dur de résister aux attaques. C'est vraiment compliqué, hein. Timide les dégâts, très timide les dégâts, ouais. Mais c'est en vrai, on est d'accord, c'est une équipe un peu troll pour le coup. On est quand même d'accord, les gars, c'est vraiment une équipe troll pour le coup. Non mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai fait ça? Putain, je suis en colère. J'ai fait Y, j'avais même pas besoin, genre. Je suis un salaud. C'est lent, non? Oui, c'est lent. Non, je vais garder mon death break pour le prochain perso.
Je vais pas attaquer maintenant. Putain, pourquoi je fais pas de compétences quand j'ai trop de points de compétences? Je fais n'importe quoi les gars dans le truc là, je sais pas ce qui se passe. Je fais vraiment n'importe. Ah, elle a combien de dolos t'as Himeko? Je crois que j'en ai qu'une ou deux. J'en ai une ou deux, c'est tout. Hein. Je le sens mal, les gars. Je le sens très très mal. Hein. C'est elle qu'il faut que j'attaque. Elle est trop forte. Elle me fait trop de dégâts en fait. Ouais. Les MOC. Oui, je suis dans les MOC là pour le coup. Je suis. Mais je sais pas, je suis à quel. Je peux pas savoir, je suis à quel étage, non? Non, je peux pas savoir, je crois, Emery. Bonjour, bonjour, Nas! T'étais pas en stream, toi? Je suis plus en l'air que chez toi? Ah ouais, il fait quoi là? Il fait quoi lui? Il met des points dans la soro. T'as quoi, il est sur son stream? Il est fou! Qu'est-ce qui se passe, Red? Pourquoi tu me fais une flèche en haut? Qu'est-ce qu'il y a en haut de moi? Je vois rien, mec. Faut que tu me dises. Je sens que je suis dans la merde, les gars. Aïe, non, je vais me faire tuer encore, les gars. Ah, je suis mort. Aïe, je sens que je suis mort, les gars. Non, c'est bon, c'est fini. Non, mais je peux pas. Et Gallagher, ils soignent pas assez. Mon Gallagher soigne pas du tout assez pour le coup, les gars. Aïe, non, c'est la merde. Ah, moi j'ai répondu à ta question. Ah merde, j'ai pas vu le message passer. Tu peux copier-coller, remettre le message? Parce que je vois plus le message, Red. Désolé, j'ai pas remarqué. Putain, je lis. En fait, des fois, j'ai tellement de difficultés à suivre les messages que je me dis, ah ok, je suis rendu environ là, alors je recommence à lire les messages là. Mais du coup, finalement, je me trompe et il y a des messages que j'ai pas lus en haut. C'est pour ça, des fois, je skip des messages. C'est moi qui est nul, les gars. Que voulez-vous? Je suis pas un streamer infaillible. Ah bah oui, minimum, j'ai réussi les MOC avec Chinchwe Sparkle avec 160 essais. Quoi? Comment ça, 160 essais? Comment ça, 160 essais? Il y a... quoi? Bonjour, Tom Lee! J'ai déjà un brognard. Une brognia avec presque 300 dégâts crit pendant pourquoi je mettrais Sparkle. Je joue beaucoup moins, non, je suis trop pris par ZZZ et d'autres jeux. Et finalement, est-ce que t'as terminé l'histoire dans ZZZ Red ou pas? Parce que j'avoue que je commence à jouer de plus en plus à ZZZ, mais j'ai l'impression que je n'avance pas. Je sais pas quand est-ce que ça se termine. Je vais me faire éclater, les gars. Je suis mort, c'est sûr. Faut que je l'aille avant les 20 cycles. Oh. Oh, compliqué. Aïe. Faut persévérer, oui, absolument. Ah, je suis d'accord avec toi. Si tu l'as réussi après 160 essais, bah mec, t'es vraiment GG à toi, Emery, pour le coup, parce que juste avoir la foi de faire 160 essais, faut vraiment avoir une persévérance de malade pour le coup, Emery. Non, puis là, il y a eu du nouveau, je crois, sur ZZZ. J'ai joué hier. Hier, on était sur le jeu, ouais. Hier, on était sur le jeu, mais moi, je suis pas assez avancé, en fait, pour arriver au nouveau. Je pense que même là, il va falloir que je me mette au micro avec toi, Red. Parce que toi, je crois que t'as fait l'événement dans ZZZ. Et je comprends pas, en fait, je comprends pas l'événement. Faut que tu m'expliques. Il va vraiment falloir que tu m'expliques parce que je comprends absolument rien pour le coup. Ah non. J'ai mal joué, les gars. J'ai vraiment mal joué. Ah, je me fais tuer. Bah oui, bah je me fais tuer. Bah évidemment, je me fais tuer. Putain. Je suis mort, je sais, je suis mort, les gars. Gallagher me casse les couilles, mais j'ai vraiment envie de l'avoir avec cette équipe, en fait. Je me dis que je peux y arriver. Je me dis vraiment que je peux y arriver, les gars. Ça m'énerve, j'ai envie de l'avoir, en fait. Je suis en train de m'entêter, mais je suis en train de perdre du temps, je sais. Hein. Il y a aussi que j'ai mal joué, les gars.
Je faisais pas de compétences quand j'avais masse points de compétences, genre. Je vais en faire un peu plus des points de compétences. Genre là, j'aurais dû me soigner. J'ai pas remarqué. J'aurais dû me soigner, j'avais pas vu. Sinon tu prends Jing Liu, tu vas l'avoir au pire, ce sera après 200 essais, ouais c'est ça. Ok. Bam. Ok, pour le moment ça va. J'ai l'impression que je joue mieux tout à l'heure déjà. Ok, lui on dev break, let's go. Ouais, je pense que ça va aller mieux les gars. Là je pense que ça va aller mieux. Je vais utiliser plus mes compétences, ça va le faire. Ça va vraiment le faire les gars, vous allez voir. Vas-y, attaque moi, y'a pas de soucis, let's go, attaque, attaque. Je vais mourir. Je vais mourir, non. Pep, ça me fait penser à moi, je t'ai envoyé des records à regarder. Attends, vous êtes en train de me dire qu'il y a Svarog, il y a Riri qui m'a envoyé des records à regarder. Est-ce qu'on va avoir le temps quoi? J'espère que oui pour le coup les gars. Sinon on a demain aussi, sinon on passe la journée de demain, bah pas la journée mais que la période de Honkai, on passe que à regarder vos records s'il le faut les gars. Je sais même plus c'est qui le plus dangereux en vrai. Je sais même plus c'est qui le plus dangereux. Oh merde, non, non, mais non, mais non, putain, fais chier. Arrête, ils ont focus Silver, ça me fait chier. Merde. Ah, j'ai juste envoyé des records de merde. Ah, ok, d'accord, je pensais qu'il y avait plus vraiment de records de merde. Oui, Raja, oui. Allez, quitte Peps, prends une vraie team. Non, 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 je vais l'avoir avec elle, tu vas voir. Tu vas voir, je vais casser le jeu avec une équipe de merde. Je vais montrer que c'est ça, c'est tout. Oh wow. En vrai Meko, première 5 étoiles c'est bien. Ouais, ça passe, disons que ça passe, simplement. Je pense hein. Je sais pas, Meko j'ai toujours trouvé un peu faible en vrai. Dommage que t'aies pas réussi Svarog. Ouais c'est ça, c'est plus pour le purification, ouais exact Xitrix, t'as raison. Faible, ouais elle est un peu faible à côté d'autres DPS en vrai. C'est vrai Wavy, tu peux pas dire le contraire en vrai. Elle est un peu faible, je dis pas énormément faible, tu vois elle est pas de la Chine non plus, c'est pas vrai. Hein. Mais je la trouve un peu faible comparé à d'autres et c'est normal au final. Parce que c'est vraiment, elle est vraiment dans la méta attaque de suivi. Et dans la méta attaque de suivi, c'est des petits dégâts souvent. Donc il faut vraiment avoir une bonne équipe adaptée pour que Himeko soit utilisée à son plein potentiel. C'est normal. Hein. Évidemment, s'il est dans son équipe à elle, là, elle devient quand même pas mal forte, les gars. Je fais pas de dégâts, je fais pas de dégâts, pourquoi je fais pas de dégâts? Mais non, il est même pas mort, il est mort. Okay, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, ça passe, les gars, ça passe. Je veux que ça passe. Elle est trop faible, surtout s'il n'y a pas de faiblesse feu, oui, évidemment. Je la joue avec Topaz, c'est puissant quand même. Ouais, je pense qu'avec Topaz, ça peut quand même bien passer en vrai. Je sais même plus qui attaquer, les gars. Je sais plus qui attaquer. Bam.
Ouais, là je dois me soigner absolument. Je vais soigner elle. C'est celle qui a l'air le plus mal en point. Ah merde, ah merde, ah merde. Non, 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 il va m'attaquer, je suis mort. Bah ouais, voilà, je suis mort, c'est fini. Ah bah y'a. Vas-y, je sais que je peux y arriver avec cette équipe, mais j'en ai marre de perdre mon temps en fait. Je perds mon temps, les gars. Mais je sais que je peux y arriver avec cette équipe, ça qui m'énerve de quitter. C'est vraiment chiant. Du coup, contre cette équipe, je vais faire ça. Je vais faire. Je mets qui ? Bah, je vais mettre l'équipe d'hôte, hein. Rien à foutre, les gars. En vrai. Pas les couilles. Je vais mettre l'équipe d'hôte, je pense. Ah, je vais mettre les kits dot. Je vais avoir L et L. Ah non, ça va le faire, les gars. Ça va le faire. Je vais passer. Ça va passer tout seul, les gars. Je sais. Non, non, ça va passer tout seul, les gars. T'inquiète. Ça va passer tout seul. Je sais que ça va passer tout seul. Donc, let's go. On y retourne. Bam. Bam. Et bam. C'est parti. À quand tu changes d'ornement sur Kafka? Je pense pas que je vais changer en vrai. Je pense qu'un jour j'essaierai de faire taper le record de dégâts avec. Je sais pas, je verrai plus tard. Là j'ai juste pas envie de mettre de la puissance de pionnier pour elle en fait. J'ai pas du tout envie. Attends, non, je vais pas mettre en automatique les gars. Parce que sinon je vais dépenser trop de tours. Merci beaucoup Pika pour le raid. Bienvenue à tous. Comment ça va tout le monde? Comment ça va et sur quel jeu vous étiez, Pika? Comment s'est passé le stream? Ouais, le sale Soto. Mais j'avoue, non, ouais, il y a quand même de bonnes chances que je le change à terme parce que, bah, du coup, son équipe record de dégâts, je pense qu'elle a changé depuis. Oxo. Alors, ouais, ce sera pas du tout le même build et tout. Quoique, sale Soto pour record de dégâts, quand même, c'est l'ornement ultime. Hein. Il y a moyen de garder sale Soto, peut-être. Encore du Minecraft, trop bien. Il va falloir que je vienne te voir. C'est vrai que Pika, j'ai pas encore regardé l'un de tes streams Minecraft, je pense. J'ai pas encore regardé l'un de tes streams Minecraft. Faudrait trop que je vienne voir. Je veux voir comment tu joues, qu'est-ce que vous faites et tout, genre. Et toi, ça va, mais moi, je vais être très très bien pour le coup. Alors, ultime, non. Ultime, oui, parce que c'est celui qui est le plus utilisé en record de dégâts, quand même, les gars. C'est vraiment celui qui doit être le plus utilisé en record de dégâts. De très loin. Je dis pas que c'est le seul à mettre sur tous les persos, mais dans la grande majorité des persos, c'est celui-là. Ah, j'en suis au tout début, j'ai fini mon prix d'art villageois là. Va falloir que je me mette au premier farm bambou Sugarcane. Je suis curieux, Pika, est-ce que tu streams de nuit des fois? Et je dis de nuit parce que c'est vrai que moi, faut. N'oubliez pas, je suis au Québec, donc souvent je suis beaucoup plus présent sur des streams le soir de chez moi, donc quasiment la nuit pour vous. Donc c'est surtout là que j'ai plus le temps de regarder des streams au final. BAM dans ta tronche, voilà. BAM, BAM dans ta gueule. BAM, non, arrête. ça m'arrive, ouais, mais rarement. Ok, ouais, comme moi avec le week-end. Ça m'arrive de stream le week-end, mais c'est super rare que je stream le week-end. Tu fais les MOC? Oui, je suis en train d'essayer de tester les MOC, mais je suis qu'au niveau 8 et je galère de fou là pour le coup. Je suis un peu dans la merde. Je suis très nul, en gros. Je suis très nul, je sais. Ah, la nuit chez toi, c'est le matin chez nous. Bah, non, non, oui, oui, non, ouais. La nuit chez moi, oui, non, oui. Putain. Je me trompais. Oui, la nuit chez moi, c'est le matin de votre côté. Exemple, vous avez vu sur Discord. Vous dites sur le Discord, vous êtes tous « Bon matin tout le monde, comment ça va ?» Moi, je suis comme « Bonne nuit tout le monde !» C'est rendu que quand je m'en vais, je dis « Bon matin, bonne nuit !» C'est fou quand même. Lui en premier, il est dangereux, on est d'accord. Donc, clac. Ouais, ok, d'accord, ça va le faire. Clac. Non, merde. Clac. Et clac. Ouais, j'ai l'habitude de donner des claques, les gars, c'est normal. C'est pas vrai!
Il y en a qui vont penser à mal. Ah, il est 1h chez toi, il est 7h chez nous. Exact, ouais. Ouais, exact, ouais. Putain, mais je suis con, je viens. Arrêtez tout. C'est l'heure de tourner au carrousel. Bon. Bon. Arrête d'essayer de strike mon stream, s'il te plaît. Et vas-y, haricot magique pour le coup. Putain, fais chier. Parce que je le passe, non, mais. C'est dingue que la différence soit si flagrante. Oui. Bah, en vrai, c'est 6 heures. En vrai, c'est pas si énorme, en vrai. Ah, c'est tombé sur bon. C'est tombé sur bon, vous avez vu, les gars. C'est tombé sur bon, c'est bien. Non, c'est bon, les gars, ouais, ça a tombé sur B, les gars. C'est tombé sur B, les gars. C'est tombé sur B, c'est tombé sur B. C'est tombé sur B, les gars. C'est tombé sur B, regardez. C'est tombé sur B. C'est... Putain, ça veut pas. Ça tombe toujours sur... Ah, j'en peux plus. J'en peux plus, ça veut pas. Vas-y, vas-y, on va prendre un acidulé. John, tu le veux pas, ma place? Non, c'est une blague, c'est une blague. Ah, il va te porter un caca, tu vas l'emmener en campagne, puis tu vas voir, ça va être très épicé, puis après tu vas voir, tu vas faire caca partout. Quoi? Tu vas faire caca partout. Et après, quand tu vas manger, ça va tellement te piquer, tu vas rincer du feu. Non, on va... Je vais le prendre, moi. Bon, allez, les gars, regardez, je prends mon haricot magique qui veut pas sortir de son emballage. Il est collé. Bon appétit à vous, les gars. C'est parti. Ça va, les gars, t'inquiète, je suis pas en mute. Ah là là. Je suis pas en mute, les gars, je suis pas en mute, hein. Je déguste. Mais ça va. Oh. Oh, c'est ignoble. Non, il a fait apparaître ces trucs, mais je pensais que j'allais l'avoir en premier. Ouais, il est mort, il a même pas pu... Il est mort, il a même pas eu le temps de rien faire avec ses potes.
Non, putain, je me suis trompé, j'en peux plus, les gars. Ah, je déteste me tromper comme ça, c'est ridicule. Je viens de perdre un tour à cause de ça, je crois. Ah, peut-être que non. Peut-être que non. Il y a moyen que je perde pas le tour. Ouais, c'est bon, je perds pas le tour, les gars. Je vais être encore à 28, ça va, je suis tranquille. Ok. Là, est-ce que vous croyez qu'avec cette équipe, j'y arrive, les gars? Moi, je pense que oui. Hein. Moi, je pense qu'avec cette équipe, ça va le faire. En vrai, je pense qu'il y a moyen, les gars, que je mette du feu avec Guanaifen et je mets de l'électro avec Kafka et comme ça, on fait de la surcharge. Je me suis peut-être trompé de jeu. J'ai mangé, je reviens si tu veux. Je te montre ma Sparkle, j'ai changé le bras. Ok, d'accord, bon appétit à toi Auxon. Il s'écrit sur Genshin, je te jure. Bam, ok, vas-y. Et juste, je dois pas mourir en fait. Pas que je meurs. J'ai quand même pas mal de tours, donc ça devrait aller. Mais niveau survie, je veux vraiment pas mourir pour le coup. Je devrais être correct avec Fushuan. Hein. Normalement, je suis bien. Vas-y, bam. Qu'est-ce qu'elle a Fushuan? Non, c'est vrai, ce heal de toute façon. Oh, non, mais attends, Fushuan elle a pas son compte de lumière. Oh, Fushuan elle a pas son compte de lumière. Non, Fushuan elle a pas son compte de lumière, je crois. Non, ça va, elle a ses 10k de santé. Alors, non, je pense qu'elle a son compte de lumière pour le coup. Normalement, ça va. Attendez. Est-ce qu'elle a son compte de lumière? Oui, elle a son compte de lumière, ok. Ouais, j'ai eu peur pendant un moment, les gars. J'avoue, j'ai eu peur, là. Clac, vas-y, bam. Bam. Ok, lui, elle est morte. Il manque plus que les deux ici. Pour le moment, je suis en full santé. Non, ça va, je suis bien en vrai, les gars. Je pense que là, ça le fait. Je pense que ça se fait sans trop de problèmes. Je peux quasiment mettre en automatique même. Non, j'ai pas besoin tout de suite. Vas-y, on va attaquer normal. Let's go, s'il te plaît. Je veux la voir. Je veux pas perdre. J'en ai marre de perdre. Je fais que perdre depuis tout à l'heure. Ils veulent pas me laisser les tuer, les gars. Ok, Kafka qui fait un tout petit peu de dégâts. Elle a fait 137k. Ça va quand même. 137k, c'est respectable, non? Je crois, hein. donc vas-y, bam, ok. Elle est morte. Elle est morte, ouais. Il reste plus que lui. Je pense que, ouais, là, je suis... Niveau survie, je m'en suis très bien sorti au final, les gars. Je m'en suis vraiment très bien sorti. Clac, vas-y. Ouais, c'est sûr que je le termine avant les 20 cycles. Hein. Sûr, 100% que je le termine avant les 20 cycles.
Bam. Non, je peux pas faire la compétence avec elle. Non. Attendez, bougez pas. Ouais, pardon, pardon. Les gars, j'ai réussi. Je vous avais dit que j'allais réussir. C'était que le 9. Non, mais parce que j'avais pas l'équipe adaptée, Riri. Là, regarde, ça va être tellement facile. Là, ça va être super simple. Celui-là, il va être trop simple. Tu vas voir, ça va être enfantin tellement qu'il va être simple. Déjà, ici, clairement, j'y retourne avec l'équipe comme ça, là. Ça va être giga simple. À côté, on a lui... Ici, ça va être aussi assez simple, les gars. On a du quantique. On va mettre... on va faire le contraire, même. Regarde, regarde. Bam. Bam. Ici, je vais mettre... je vais mettre elle. Je vais mettre... je vais mettre... je vais mettre elle. Et je vais mettre elle. Et je vais mettre... c'est tout. Ça va, on est tranquille. Ça va, je vais tout déglinguer. Tu vas voir, Riri. Je vais tout déglinguer, ça va être super facile. Super facile, tu vas voir. Je vais même mettre en automatique. Parce que ça va être trop simple sinon. Qu'est-ce que t'en penses, Riri? Tu y crois que j'ai réussi en automatique ou pas? Je pense que j'ai réussi en automatique en vrai. Je pense que là, ça le fait de fou. Je vais même me mettre à l'aise. Je vais sortir les biscuits aéro. Aréo. Attends. Oreo, pardon. Et on regarde, tranquille. Bonsoir, Aouza. Comment ça va, Aouza? Ah, tu vas voir, je vais l'avoir en auto, Riri. C'est juste que tout à l'heure, j'avais pas les kits adaptés. Là, c'est bon, là, je suis bien. Là, il y a les bonnes faiblesses et tout. Alors, moins fatigué que hier, Aro? Ah ouais, merde. Là, lui, c'est un gros sac à PV pour le coup. Ah non, ça va quand même. Là, je suis à 28 cycles. Ah, à voir. Ah non, du tout, j'ai super mal dormi cette nuit à cause de la chaleur et j'étais pas bien hier soir. Ah merde! Mais va dormir, Raoult! Va te reposer! Non, mais j'avoue, la chaleur, moi, c'est le principal. La principale raison quand je dors mal, c'est à cause de la chaleur. Parce que dès qu'il y a trop de chaleur, j'arrive pas à dormir, genre pas du tout, Raoult. C'est horrible. Hein. C'est quelque chose auquel je suis très sensible. Ok, il nous reste 27 cycles, les gars, pour tuer... Oh non, pas lui. Non, pourquoi lui? Non, je suis pas d'accord. Fais chier. J'avais pas vu que c'était lui. Je vais mourir, les gars. Vas-y, je m'en auto. On verra ce que ça donne, les gars. On va voir. Après, si j'ai recommencé, je recommence. C'est pas grave. Si j'ai recommencé et le mettre non automatique, je le fais. Sont bons, mon petit aéro, les gars. Mon petit aéro, Oreo. C'est des minces. Oh.
En vrai, ça a l'air de bien se passer là, les gars. Juste, je réalise un truc. Je réalise juste un petit truc. Elle n'a pas de compte de lumière. Elle n'a pas de compte de lumière. Ah merde. Ah, si je réussis avec ma Jingliu, pas de compte de lumière, c'est très drôle, les gars. Si je réussis, c'est que je suis bien pour la suite. Hein. Ah ouais, je fais vraiment pas beaucoup de dégâts parce que j'ai pas de compte de lumière, ça se voit. Hein. Ça se voit vraiment que j'ai pas de compte de lumière en fait. Je vais pas l'avoir. Lui, il a deux phases, c'est mort de chez mort. Aïe 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 les gars, j'ai vraiment fait une grave erreur de... J'avais oublié que sur Jingyu, il y avait pas de compte de lumière, les gars. On est encore à 25 cycles, il y a moyen en vrai, hein. Ça m'énerve. Il y a moyen, je pense que je vais finir juste. Je vais finir juste de fou en fait. Oh, ça va devenir dangereux. Ça va devenir dangereux. Oxo, dis-moi, en regardant les PV de mon équipe, tu remarques rien de spécial? Re, Oxo. Je lui pose la question avant de lui dire re. Ça va être compliqué surtout. Non, mais tu. T'as spoil. T'as spoil, il y a Majin Liu qui n'a pas de compte de lumière, j'avais pas vu. Elle n'a pas de compte de lumière. Mais pourtant, ça passe quand même. Hein. Ça est en train de passer, même si elle a pas de compte de lumière, ça est en train de passer pour le coup. J'ai pas de compte de lumière sur Jingyu. Arusa, t'as vu, à chaque fois que toi tu dis bon matin, moi je dis bonne nuit quand tu te réveilles. C'est fou, hein? Ah ouais, c'est passé, les gars, c'est incroyable. What the fuck? C'est passé, c'est trop drôle. Non, j'ai pas beaucoup de PV sur. En fait, j'ai pas beaucoup de PV sur Jingliu, mais je te rappelle que Fushuan donne un pourcentage de ses PV. Et Fushuan en ce moment est à 10-4 PV, Oxon. C'est pour ça que même sans compte de lumière, je suis assez mis quand j'ai Fushuan dans l'équipe. Ouais, j'ai une putain de Fushuan surboostée à la cocaïne, un truc comme ça. Hein. Elle est très forte, ma Fushuan, en vrai. Je sais. Elle est vraiment, vraiment bien, ma Fushuan. J'en suis très fier. On va regarder les équipes pour commencer. Quelle équipe qu'on fait? Quelle équipe est-ce qu'on peut faire? Déjà, en bas ici... Ah ouais, merde. En bas ici, j'ai envie de faire la même équipe que tout à l'heure, les gars. La même équipe, les gars. Je vais le déglinguer comme Jaja. Elle va rien comprendre, la Kafka. Et après, à côté... Je mets elle et... Non. Oui. Peut-être. Attends. Ouais, merde. Ouais. Parce que je sais qu'il va avoir elle en dernier, mais qui est-ce que je mets là? Qu'est-ce que je mets là comme perso, les gars? Il me manque un perso. Je sais pas qui mettre. Feu ou quantique? Bah, j'ai pas feu ou quantique en fait. Je pense que j'aurais pas le choix de. Bah, à moins que je mette Xvewi, mais elle est pas forte, les gars. Elle est vraiment pas forte. Je pense pas que ça vaut le coup que je la mette. Oh, le flex de Sparkle! Let's go! Tu me permets de faire mon combat avant? Bah, c'est ça. Je vais faire le combat avant. Peut-être qu'il revient d'ici le combat. Vas-y. Comme ça, il revient peut-être. Mais là, quand même, ça reste bénef. Tu penses que ça reste bénef quand même que je mette elle? Vas-y, on peut tester. Mais... Ah, c'est que de quantique du coup. Ah, c'est. Bah, vas-y. Non, on teste. Vas-y, on teste. On verra ce que ça donne pour le coup. Mais je crois que. Ouais, je crois. Ouais. Il y a un perso qui n'a pas de compte de lumière là, je crois. Attends. Comment je fais pour savoir? Attends, je vais aller voir. Merci pour les 100 bits, Sarouz. Il te faut Sparkle pour la mono quantique. De fou.
Tu vas te faire déglinguer au Jaja, y'a pas moyen Jaja. Toi tu vas pas passer ça. MHMM Kafka va te kafkatéiser, tu vas rien comprendre. Au Jaja, quoi, bah me je sais si vous avez la musique en tête. Ah bah oui, évidemment qu'on a la musique en tête, merci Aou. Vas-y, je lui mets ça. Et sinon, je suis dans la merde parce qu'en vrai, j'ai pas un gigabon build avec elle. Hein. J'ai 166 de rupture, mais derrière, j'ai des stats de merde quoi. Alors, bah, quoique. Ah, quoique, il y a Fushuan qui va lui augmenter ses TC. Ouais, son TC. Ça peut passer. En vrai, non, ça peut passer, les gars. Ok, on laisse comme ça. On va voir. On va voir qu'est-ce que ça fait. Qu'est-ce qui se passe. Ça passe. Son build, il est pas incroyable, mais il est pas complètement nul en vrai. On va voir. On verra ce qui se passe, les gars. Ah, tu pourras faire les mémoires de tes viewers quand même. Pour ceux qui ont la flemme, bah, ça va être un peu compliqué parce que je ne stream pas assez pour faire les mémoires du chaos des autres personnes. Parce que déjà, juste, ça me prend énormément de temps de faire les miennes. Si je commence à faire ceux des autres, bah, bon, on fera plus rien d'autre en fait. On va rien faire d'autre que faire des MOC tout le temps parce que j'ai pas beaucoup de temps de stream. Ah, j'avoue, tu m'en récompenses 5-4 points de chaîne, tu fais les MOC de tes viewers, mais c'est ça, on a déjà un planning trop chargé en fait, c'est ça le truc les gars. Attends, par exemple, non, je pense que je devrais jouer moi-même, non. Pff, ouah, bah les couilles, vas-y. Bah les couilles, on verra bien ce que ça donne les gars. Ah, au 10K, j'ai Penemri pour savoir s'il veut, voulait revenir voir ma Sparkle. Oui, je joue. Bah si je joue, je vais, je sais pas, je pense, voilà. Bah ça fait pas vraiment de différence en fait les gars. Bam, bam. Je vais le claquer sur lui. 28k, je fais 0 de dégâts. C'est génial, on adore ça. Derrière elle, est-ce qu'on fait une compétence avec elle? Oui, non, peut-être, peut-être, oui. Vas-y. Je veux le break en fait, j'avais envie de le break. Bah c'est vrai que je pouvais le break sans faire ma compétence en fait. J'étais pas obligé de faire la compétence. Genre pas du tout. Ah, je passe en l'heure que j'ai ma série d'animé à voir pour aujourd'hui. Bonne série d'animé à toi, Atsu. À tout à l'heure, j'imagine. Clac. Ah merde, non. Oh, il fallait que je reclaque la protection de Fushuan et je l'ai pas fait. Je vais avoir très mal là pour le coup. Ouh, je vais avoir très très mal, les gars, dans ce cycle. Ah merde. Comment on va faire? Non. Clac. Clac. Attends, ça me fait chier. La Gwen FN qui fait 279k. Je l'ai pas fini. Ses traces, mais au moins maintenant, elle est level 80. Let's go. Je veux que vous voyez mon record Sparkle. Oui, mais attends que quelqu'un te l'enlève. Tu vas voir. Ils vont te l'enlever one shot. Non, c'est pas vrai. T'inquiète, je rigole. Je rigole, ce n'est pas vrai. Oh, let's go, il est mort. Oh, ça lui a fait des bons dégâts en vrai. Oh merde. Non, ça je veux pas, je suis pas d'accord. Je vais mourir, mais non, je vais pas mourir quand même. Mais non, je vais mourir, putain, j'en peux plus. Oh, je vais crever les gars, non, je vais crever, j'en peux plus. J'ai mal joué les gars, j'avais pas fait ma protection avec Fushuan, c'est ma faute. Ah ouais bah, oh, what the fuck, non c'est vrai, il y a eu une autre vague. Le compte de lumière de Fushuan m'a sauvé la vie, incroyable. Si quelqu'un fait ça, je passe la journée à essayer de le récupérer, let's go. On m'a niqué elle en premier parce qu'elle est beaucoup trop dangereuse tant qu'à moi. Cocolia, c'est un danger public. Ouais, elle est assez dangereuse en vrai. Elle est pas mal dangereuse en vrai. Ça va le faire les gars, ça va le faire. Ouais, mais j'ai... Ouah, mais attends, mais j'ai dépensé tellement de cycles. Je suis qu'à la première étape, on est d'accord. Bah non, c'est mort les gars, je vais pas l'avoir.
Je vais pas réussir cet étage. Pas les 3 étoiles, je crois. Ouais, je pense pas que je réussis les 3 étoiles pour le coup, les gars. Merde. Ouais, c'est la merde, je manque de DPS. J'aurais dû mettre mon bulle DPS sur Silver Wolf et ça aurait pu le faire en vrai, mais là c'est compliqué. Hein. Aïe. Ouais. Non, c'est la merde. Si tu fais les 3, t'as tout mon respect, mais je crois que je vais être obligé de refaire mais avec soit une autre équipe ou rebuild ma Silver Wolf en DPS en fait. Sinon ça le fera pas, ça va pas le faire. Hein. Vous croyez que je peux la break? Non, c'est mort. Je viens de voir quand est-ce que... Non, c'est mort, je peux pas la break, dommage. J'aurais beaucoup aimé la break, mais je peux pas. Ah, j'étais proche en plus. Hein. J'étais pas si loin, j'avais déjà fait plus de la moitié. Oh, y'a moyen. Ah non, même pas. Ah, j'étais proche. J'étais si proche. Ça aurait été une dinguerie de la break. Ça aurait été vraiment cool. Vas-y, bam. Ouais, ça je peux me permettre. X, vas-y. Waouh, mais je fais zéro dégâts. Je fais zéro dégâts. C'est pas possible, les gars. C'est affreux. Ah, salut tout le monde. J'espère que ça va bien. Je vais très bien, à part que je suis en train de me faire déglinguer. Ah, je suis dégoûté, les gars. Je vais même pas avoir eu le temps de terminer les MOC. Il va bientôt falloir switch. Oh, mais je fais zéro dégâts, c'est atroce! Ça me perturbe de fou en fait! Mais sinon, je vais très bien, Matt. Et toi? Ah, j'ai quelqu'un qui va décéder dans les prochains jours là. What the fuck, comment ça? Pourquoi donc? Qu'est-ce qui t'est arrivé à un de tes proches, Matt? Les gars, je vais pas avoir de protection, j'avais plus de points de compétence, donc je risque de mourir. Je risque fortement de mourir là pour le coup. Ouais, vas-y, on va la break parce que sinon elle va encore plus facilement me tuer. On espère lui le break aussi, let's go. Bam. Waouh, il nous reste 3 cycles, les gars. 3 cycles, c'est pas assez, c'est vraiment pas assez. Ah, c'est la merde, c'est la grosse merde. Mais en même temps, je suis avec une team de dingo là ici. En même temps, il y a moyen qu'on réussisse. Il y a moyen que Kafka ce soit une petite merde là. Et que bah, ça passe très vite en fait. Ah, c'est pas trop la joie dans le fond. Quand ça... Ah merde, ok, ouais. C'est un peu la pire chose qu'on peut avoir finalement en maths. Hein. Malheureusement, il n'a pas encore de... N'existe pas encore de traitement 100% efficace contre le cancer. Ce serait tellement bien que ça arrive pour le coup. Ok, on va se mettre comme ça, vas-y. Je retiens tes mots, comment ça? Non, mais je dis elle en tant que telle, mais pas les autres Kafka. Les autres Kafka sont parfaites, sont bien, sont tu vois, c'est celle du MOC, c'est pas la même, Oxo. C'est une pâle copie de Kafka, c'est pas la même, t'inquiète. C'est une fausse Kafka, c'est pour ça. C'est quelqu'un qui se prend pour Kafka, et c'est quelqu'un qui s'est déguisé en Kafka. Alors, en réalité, il y a des traitements efficaces. Ouais, mais pas 100% efficaces, c'est ça le truc. Dépend au stade du cancer, de l'âge et de la personne. Ouais, mais c'est ça, ça dépend de beaucoup de choses. Et c'est pas 100% efficace. Oui, on a développé des moyens, oui, efficaces pour neutraliser les... Ah, bah du coup, comment on appelle putain, pas les gènes cancéreux, c'est pas des gènes, c'est un autre truc, là. Mais c'est pas 100%, c'est pas sûr à 100% que tu t'en sors, quoi. T'as toujours une chance que ça fonctionne pas sur toi, malheureusement.
Ouais, je crois que je peux faire ça. Oh, oh, oh. Ah, j'ai fait des bons dégâts là en vrai. J'ai fait de très très bons dégâts quand même. Je veux pas qu'il se relève lui en fait. J'ai pas envie qu'il se relève. Vas-y, let's go, il est mort. Le prochain, voilà, bam, ça c'est dans ta gueule. C'est parti les gars. Les gars, en vrai, je pense que il y a moyen que je puisse l'avoir. Il y a moyen que je réussisse les 3 étoiles. Ou pas. Ou pas. Non, non. Ah oui, elle a une phase. Elle a une seule phase. Attends, mais c'est un sac à PV ou ça va? Faut que je teste. Ouais, vas-y, on va l'attaquer, on va voir. Vas-y, bam. Tranquille. Ouais, je peux faire ça. Ah ouais, c'est faut voir une fois qu'elle va être break. Parce que les dégâts qu'on va faire vont être quand elle va être break. Les cellules... Ouais, les cellules cancéreuses. Ouais, exactement, ouais. Là, cette personne est dans le coma. Mais c'est qui pour toi, Max, pour le coup? Non, putain, je me suis trompé. Quel connard. J'aurais pu l'attaquer et je l'ai pas attaqué. Je suis dégoûté. Ça vient peut-être de me coûter l'étoile. Hein. Ah ouais, non, même là, peut-être que non. Même là, je crois que c'est pas assez. Mais ça m'a peut-être coûté l'étoile en vrai. C'est chier. Je me suis trompé. J'ai fait de mauvaises manips, les gars. Je me suis trompé. Je suis dégoûté de fou là. Je suis trop dégoûté. Ah ouais, non, ça m'a vraiment peut-être coûté l'étoile. Oh, je suis dégoûté. Il y a moyen que ça m'a coûté l'étoile, les gars. Et j'ai pas eu de chance, hein. J'ai été stun longtemps et tout. Je pense que je vais juste recommencer et retest quand même. Avec la même équipe et tout. Il y a quand même moyen que je puisse l'avoir. J'ai juste pas eu de chance. J'ai été freeze pendant vraiment longtemps. Ouais, je peux pas là. Oh putain, j'ai pas le choix. Ah, il y a moyen encore, les gars. Il y a moyen. Je disais, cette personne-là, c'est qui pour toi? C'est un parent, c'est un frère, une soeur, c'est qui pour toi, Matt? Ah, si je compte poule aventurine, donc ça reste bien d'avoir Jeppard. Moi, je trouve pas parce que c'est vraiment... aventurine, je trouve que c'est vraiment pour remplacer Jeppard, en fait, Oxo. Je trouve pas que c'est tant intéressant. À ta place, j'irai chercher... soit une Imeco en plus, soit un Docteur Ratio, puisqu'il n'y a pas encore beaucoup de persos DPS en Imaginar, alors ça peut être intéressant d'aller chercher un Welt E1, si jamais t'as déjà un Welt, moi je trouve ça vraiment intéressant encore, ou une Clara, qui peut être aussi intéressant tout dépendant de ce que t'as besoin dans les MOC et tout genre, je pense que ça peut être bien. Oh, what the fuck, je pense que je vais l'avoir. Ah non! Ah non! Ah, y'a pas que Kafka, je pense. Ah, j'avais pas vu l'autre! Mais non! Je vais perdre à cause de lui! Mais non, c'est pas possible! Arrête! Je l'ai eu! Ah, let's go, mon arrière-grand-mère, non, oh, ça doit être tellement triste en vrai pour toi, désolé, mes condoléances d'avance pour toi, je sais pas, j'avoue que dans ce genre de situation, j'ai beaucoup de difficultés à être optimiste, parce que c'est vrai que, bon, on arrive tous à un état dans lequel on se retrouve avec un truc, c'est compliqué quoi. Ah, je suis en train de farm les ressources pour Yelan, mon arrière-grand-mère. Ouais, non, c'est bon. En plus, t'es en train de farm Yelan, ça c'est bien. Ça doit avoir hâte là qu'il arrive, Matt. J'ai réussi à. Si je réussis à jamais choper Aventurine, bah, j'aurai Jeppard. Exact, oui, ça c'est sûr. Bah, ouais, je l'ai eu pour le coup, les gars. Je l'ai eu, let's go. Jeppard, ça peut toujours servir pour les MOC. Si t'as aventurine, en vrai, non. Jeppard, c'est vraiment un des pires persos pour les MOC, je trouve. C'est Jeppard parce qu'il va rien apporter à ton équipe. Il va apporter aucun DPS à l'équipe, en fait.
Pour le jeu, Jeppard, c'est surtout pour le monde simulé qui est intéressant, je trouve. Principalement pour le monde simulé. Ouais. J'ai aucune chance contre eux, les gars. J'ai pas les bons persos. Et c'est... Bah, j'ai jamais réussi à battre ce truc-là. Le boss qui est ici. Je sais pas comment je vais faire, en fait. Je vais mettre l'équipe... Je vais mettre 1-1, pas le choix en vrai. J'ai pas le choix. Mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas ce que je voulais. J'ai dit elle. Vas-y. Et ici en physique, j'ai rien. J'ai absolument rien pour. Ah, mais attends. Il y a moyen peut-être de. Bah non. Physique, j'ai aucune chance. Attendez un peu. Jeppard, si t'as Aventurine, tu vas le sortir quand en univers simulé. Exact, ouais. Ouais, c'est ça. Et même là, Aventurine, au final, il est vraiment intéressant. Alors, tu risques de ne jamais sortir Jeppard au final. Je me dis que j'ai de la chance de connaître ce que je me disais, ce serait plus brutal. Ouais, c'est vrai. Non, c'est vrai, t'as raison, t'as eu la chance de la connaître et tout, parce que des fois, on n'a juste pas la chance de connaître nos grands-parents ou nos arrière-grands-parents et tout. C'est quand même vachement cool de les connaître quand on a la chance, Matt. Je me suis préparé, c'est pas arrivé du jour au lendemain. Ouais, c'est ça. Bah, c'est sûr que ça fait mal à long terme, hein, même si tu t'es préparé, mais c'est sûr que c'est moins pire. Parce que tu fais ton deuil, t'as du temps, en fait, pour faire ton deuil, et ton deuil, il a commencé avant même qu'elle soit plus là. En tant que t'as pas aventurine, il reste la plupart du contenu. Attends. Après, tant que t'as pas aventurine, il reste bon sur la plupart du contenu. Oui, effectivement. Effectivement, je suis d'accord avec Svarog pour le coup. Moi, je connais qu'une seule de mes grands-mères et aucun de mes grands-pères. Donc, si elle part, je serais grave triste. Je vous comprends. Je vous comprends, les gars. Je pense que je vais faire une équipe de dev break, les gars. J'ai pas le choix. Hein. Genre, je fais ça. Et je suis niqué parce que j'ai pas de physique, j'ai rien de fait. J'ai aucun DPS physique, en fait. Le seul DPS physique que j'aurais pu avoir, c'est Sushuan et je ne l'ai pas monté. Donc derrière, on va tout miser sur le fait que potentiellement... je vais faire ça. Non, je sais, je vais faire ça, les gars. Je vais tester un truc, je sais pas si ça va le faire. Mais je vais tester, c'est ma seule chance en fait, les gars. Je vais tester d'y aller avec la rupture extrême. Mais juste là, au moins, je peux y aller avec la rupture extrême. Et puisque j'ai Silver Wolf, je peux lui mettre en fait les. Je peux lui mettre la faiblesse imaginaire. Et peut-être que j'ai une chance. Mais même là, ouais, je pense pas quoi. Peps, quand je dis tu vas le sortir en univers simulé, je parle de la méta full perso préservé. Oui, ouais, c'est ça, exact, ouais. Ouais, exact, ouais. Ah, dépêche, on va bientôt switch monocantique. Ouais, mais monocantique, je l'ai pas, sale truc, Oxon. Ok, on va tester ça, on verra bien. Déjà, lui, je vais mettre en automatique, les gars, lui. Je crois. Parce que lui, j'ai aucune chance. XV8, ouais, non, mais XV8, il fait beaucoup moins de dégâts que mon Docteur Azur, Oxon. Non, c'est mort. C'est mort. J'ai pas assez, j'ai pas l'équipe pour, au fond, j'ai pas l'équipe pour. comment je vais faire? Je suis tellement dans la merde, les gars. Allez, wow, je leur fais zéro dégâts en plus. Oh, c'est incroyable, j'ai aucune chance. Hein. J'ai aucune chance, je vais y aller en automatique parce que sinon on arriverait même pas assez tôt. J'y vais en automatique pour passer à la deuxième équipe et voir si j'y arrive au moins avec la deuxième équipe. Mais pour ça, faut que j'y arrive avec la première équipe. Voyons voir qu'est-ce que ça donne. Parce que c'est sûr que 100% que j'ai pas toutes les étoiles. Hein. C'est impossible. Un Sparkle 1-1-S1 en MOC, ça carry, tu vas être bien. Bah oui, évidemment. Ah ouais, évidemment. Mais il faut que tu te rappelles qu'elle va sûrement être à 100 de vitesse. Hein. Elle aura pas 160 de vitesse pour le coup, Oxo, la mienne. Hein. Elle aura 100 de vitesse sûrement. En tout cas, au début, évidemment, avec le temps, j'aimerais
essayer qu'elle ait un peu de vitesse, mais je vais prioriser les dégâts crit, évidemment. Skamat, n'hésite pas, si t'as envie de parler, tu nous écris ici, on est tous là pour toi, ok? Non, on peut avoir les deux. Ouais, non, mais parce que éventuellement, j'aimerais... En fait, idéalement, je dois avoir, comme Emery tout à l'heure, un torse avec dégâts crit et un maximum de vitesse, genre 10 de vitesse, 11 de vitesse même. Je sais plus si c'est 11 ou 12 de vitesse, le max. Mais exemple, 11 de vitesse. Déjà, au moins, j'aurai un peu de vitesse. Après, derrière, je vais avoir des bonnes vitesses. En ce cas, si possible, évidemment, encore une fois, avec un maximum de dégâts crit. Je veux avoir la corde d'énergie avec un maximum de dégâts crit. Sinon, pour tout le reste, toutes les pièces, toutes les autres pièces, il faut que tous les procs, je veux que tout, 100% de mes procs soient dans les dégâts crit. Après, s'il y a deux de vitesse sur la pièce, mais pas de proc dessus, ça me va, ce serait l'idéal, tu vois. Et ça, bah, je pense pas que ça va me permettre d'avoir plus de genre 140 de vitesse, je pense pas. Hein. Ou à peine, ça va être environ ça, je crois. Et ça, c'est dans l'idée d'être vraiment optimisé au niveau des dégâts crit. T'as oublié mon flex, mais vas-y. Ah oui, merde, c'est vrai. Ah, t'inquiète, on va le faire avant le switch, Oxon. Vise dans les 130. Bah, je vise rien. C'est simple, je ne vise pas de vitesse. Je ne vise aucune vitesse. Je vise que les dégâts crit. Après, si j'ai de la vitesse, tant mieux. Mais ce qui est important pour moi, pour les records de dégâts, c'est que les dégâts crit. De toute façon, ce qui est important au niveau de la vitesse, c'est tout simplement que dans mon équipe record de dégâts, donc Silver Wolf, Rohan May, Sparkle, que le speed building soit fait à ce qu'il y ait le bon ordre pour pouvoir faire le record de dégâts. Après, ça me dérange pas. C'est dingue, quand je flex, il n'y a que 4 personnes qui sont pas en lurk. T'as vu? je te jure. Non, mais ces temps-ci, je sais pas, ces temps-ci, ben, je pense que ces temps-ci, les gens font tout plein d'autres trucs, en fait. Il y a beaucoup de lurkers ces temps-ci. Il y a un peu moins de personnes sur la chaîne, alors je pense que les gens aussi sortent. C'est les vacances, hein. C'est normal. Personne ne voit mes flex, mais c'est pas grave, moi je les vois. Oh, ça me fait plaisir de les voir, vos flex. Ah, au moins je suis pas mort, les gars, regardez, pour le moment, évidemment, pour le moment. Moi je sors pas à part pour faire des courses et aller à la plage. Bah c'est déjà bien aller à la plage. Hein. Faudrait bien que je sorte tout à l'heure. On devrait aller faire du vélo, Miss. Avec les enfants. Ah, ça va être compliqué. Non, mais en même temps, il y a mon fils qui est en train d'apprendre le vélo. C'était quoi? C'était hier ou avant hier? Il a enlevé ses petits trous. Donc là, ça devient... On passe aux choses sérieuses. On passe aux choses sérieuses pour lui. Ah, donc moi je sors. Non, ça me touche que tu fasses attention à mes flex. John, futur cycliste. Bah évidemment, non mais il faut qu'il apprenne évidemment. Comme là, cet été, il est vraiment en mode apprentissage. Pareil avec ma fille. Ils vont à la natation. Bah du coup, John, il apprend surtout le vélo. J'avoue que ma fille, pour le moment, elle a pas de vélo. Elle a, par exemple, elle fait beaucoup, elle fait de temps en temps, comment on appelle ça, du patin à roulettes. Et vous savez pourquoi est-ce que ma fille aime beaucoup les patins à roulettes? C'est drôle, je trouve ça tellement... Je sais pas si je trouve ça mignon ou je trouve ça cool, le fait du pourquoi elle aime les patins à roulettes. Parce que depuis qu'elle était très très jeune, on lui a montré l'animé Sakura Chasseuse de Cartes. Je crois que c'est un des premiers trucs qu'elle a regardé à la télé. Et du coup, à chaque fois, tu vois Sakura Chasseuse de Cartes, elle rentre à l'école, elle revient de l'école avec ses patins à roulettes, elle trouvait ça trop cool, genre. Mais c'est trop bien cet anime, les gars. Je l'adore, cet anime-là. Même si c'est un anime de mon enfant, je l'ai regardé plusieurs fois. Pour le moment, je pense qu'on est un peu dans la merde, les gars. J'ai déjà pas la première étoile, donc ça commence très mal. la raison est trop mignonne. Non, mais c'est ça, voilà. Voilà, t'as compris, Ox. Ah,
J'ai pas compris comment ça qu'ils sont morts. J'ai tellement pas compris ce qui vient de se passer, les gars. Ok, c'est mon équipe, c'est le moment. Bam, 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 et bam. Voilà. Là, je crois que ça va le faire, les gars. Abandonne, franchement. Non, il y a moyen que je puisse avoir une étoile. Juste pour l'honneur, tu vois. Juste pour l'honneur. En vrai, il y a moyen. C'est lui que je dois tuer en premier, on est d'accord, non? Je sais plus. Oh, je sais plus qui je tue en premier. C'est lui. Ok, vas-y, bam, bam, bam. Waouh, non, je vais manquer de points de compétence, en fait, je viens de voir. Hey, je vais clairement manquer de points de compétence. Je suis dans la merde. Je suis tellement dans la merde. Ah ouais, c'est des gros sacs à PV en plus. C'est des gros sacs à PV. C'est au moins que le talent de Aventurine est aléatoire. Le talent de... Ah oui, oui, ouais, ouais, bah oui, évidemment. Ouais, c'est vrai que j'aurais pu le faire plusieurs fois pour regarder si je peux obtenir le plus gros truc. Et le plus gros truc, c'est tellement fort, c'est 40% de def. Hein. C'est énorme. 40 ou 60%, un truc comme ça. Ouais, le faire deux fois, deux ou trois. Je pense que j'aurais pu le faire deux ou trois fois là, moi, je pense. Avant de ne plus avoir de points de compétence. Ouais, je vais faire ça, vas-y, ça passe. Ça va, John, je vais bientôt t'envoyer dans ta chambre, mon pote, on n'entend que toi. Ouais, Sparkle, ne peut plus manquer de SP. Ouais, c'est ça. Ouais, mais le truc, c'est qu'elle n'aurait pas eu sa place dans l'équipe en même temps. C'est ça le truc aussi. Bam. Ah ouais, je fais pas beaucoup de dégâts. Je fais pas beaucoup de dégâts. Ok, il y en a un mort, il n'en manque plus qu'un deuxième. En vrai, ça va, hein. Attends, je suis combien? Il me faut 10 cycles. En vrai, je pense que je peux l'avoir. Je pense que je peux avoir deux étoiles, il y a moyen. Il y a vraiment moyen, les gars. Et il y a mon fils qui me casse les couilles, c'est fou. Non, c'est pas drôle, John. C'est pas drôle. Voilà, E4, j'aurais 8 points au maximum et l'ultime régène 5, donc ça met grave bien. De Sparkle? Oh, mais moi je vais pas l'avoir E4. J'aimerais bien par exemple, mais je vais pas l'avoir E4. Non, ça dépend de la suite, ça dépend de la suite. Je sais pas si je vais l'avoir Oxon, mais ça dépend de la suite pour le coup. Ouais, vas-y. Clac, 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 clac. Ok. Bam. Bah oui, je veux ma E6. Moi aussi, j'aimerais bien avoir la E6, mais c'est sûr que je l'ai pas instant, quoi. C'est... Oh merde. Il a deux phases. Non. Jamais je l'ai. Jamais je l'ai. En plus, il m'a dit quand c'est que c'est fini. Finito pour moi, les gars. C'est fini, j'ai aucune chance. Là, elle va passer E3, j'espère. Je suis à 100% free to play, ma Sparkle le sera aussi. Let's go. Bah, les gars, tu veux que je fasse quoi? J'ai aucune chance. J'ai aucune chance, il s'est même bouclé le salaud. Bah, non, mais. Tu veux que je fasse quoi? Tu veux que je fasse quoi? Je peux même pas me défendre, genre. Je peux pas réveiller, je peux pas me défendre, c'est fini. Il va me tuer, il va me tuer, il va me tuer. Bah ouais, je suis mort déjà. Bon, on aurait essayé, mais les gars, en vrai, on aurait essayé. C'était cool. En vrai, si j'aurais eu de la chance et si j'aurais mis Imaginar dès le début, peut-être, mais là, ça fait que mettre quantique tout le temps, c'est affreux, c'est dégueulasse. C'est affreux. Sincèrement, ça me frustre, ça me frustre, ça me fait jamais ça. Aïe aïe aïe. D'accord, bam. Imaginar peut-être. Ouais, même pas. Il sent...
What the fuck, c'est n'importe quoi, j'ai envie de recommencer, genre ça m'énerve vraiment. Bah ouais, mais je suis mort juste parce que... Ah putain, je suis deg, vraiment, je suis dégoûté. J'y a vraiment moyen que je l'aille, juste j'ai pas de chance quoi. Wouah, enfin! J'y croyais plus! Au moins je le break, vas-y. Regarde, une fois qu'il est break, une fois qu'il est break, ça rigole plus du tout. Ah ouais, si je l'aurais, si je... Ouah, si j'avais mis Imaginaire dès le début, je l'aurais tellement défoncé en vrai. What the fuck? Non, en vrai, si je mets Imaginaire, si j'ai de la chance et je mets Imaginaire rapidement, je le déglingue. Je vous promets, hein. Ah, il va m'éclater. Là, c'est bon, Silver Wolf est morte. Imaginaire, s'il te plaît. Non. Pourquoi? Non. Je suis mort. Mais Silver, s'il te plaît, fais un effort. J'étais si proche. Oh. Oh putain, je suis pas mort. Je suis pas mort. Oh. Ouais, j'étais sûr que j'étais mort, les gars. Bon, vas-y, on y va tranquille. Imaginaire. Et oui, ok. Ok. Est-ce que je peux le break assez vite? J'ai pas d'ult malheureusement. Là, il va m'attaquer. Je pense que je suis mort. Ouais. Ah, si j'aurais eu de la chance, ça se serait bien passé. Mais non. Mais non. Ah, t'aurais dû remettre un shield. Ouais, non, mais parce que je peux pas me permettre de mettre que des shields. Je dois vraiment attaquer le plus vite possible si je veux terminer. Attends. Ouais, j'ai pas le choix. Let's go. Allez, la faiblesse sera bientôt plus là. Le truc, attends, Oxo, faut que tu te rappelles que moi j'ai la E4, E2, E3, je sais plus, E2 de aventurine. C'est ce que je voulais parce que ça le 30. Non, c'est la E1 qui fait ça, c'est vrai, c'est la E1 qui fait ça. Et la E1, c'est trop trop bien parce que ça fait que même quand je fais une attaque normale avec aventurine, je remets mon shield en fait. Alors, moi j'attaque et ça met un shield, je suis tranquille pour ça. Ah, j'ai eu mes deux étoiles, les gars. J'ai eu mes deux étoiles. J'ai eu mes putains de deux étoiles. Mon honneur est totalement présent, les gars. Ok? Bas les couilles. Let's go. Ah, c'est quand tu ultes. Ah oui, c'est quand je ulte. Ah merde. Ah, c'est quoi alors qui faisait quand je faisais X, alors quand je fais mon attaque normale? Il y a un truc qui en rapport avec ça. Ouh, attends, non. Alors, c'est quoi qui fait quand il y a l'attaque normale? Parce qu'il y a un truc lors de la... Ah oui, non, lors de l'attaque normale, c'est le... Non, c'est vrai, c'est pas le bouclier, c'est le malus. Il y a un malus, ouais. C'est vrai, il donne un malus en plus. Je vais manger, bon appétit à toi, Svarog. Oui, on va aller faire ton flex pour le coup. Enka Network, c'est parti. Tant pis pour les records. Non, mais quand... Ah oui, merde, c'est vrai. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas eu le temps pour les records, mais ça va, demain on va avoir le temps, les gars. Demain, on va commencer par les records et on va se concentrer là-dessus, parce qu'on n'a pas eu le temps aujourd'hui. Donc, voyons voir la petite Sparkle de Oxo. Donc, on reçoit aujourd'hui en consultation une Sparkle niveau 80 avec les aptitudes 6 avec son compte de lumière niveau 80. Tu l'as équipé avec Ki Brisé et Hackerspace, qui est, je crois, le meilleur set que tu peux mettre sur elle. On a un casque avec 28% de dégâts crit, espèce de cheateuse de merde. On a un bras avec 22% de dégâts crit, on a un torse avec dégâts crit et 4 de vitesse. On a des bottes vitesse avec 5% de dégâts crit. Bah, ok. C'est pas beaucoup, hein. On a une orbe en PV pour 100 main stat avec 17% de dégâts crit. On a une corde d'énergie avec pas de dégâts crit. Il y a pas de dégâts crit sur ta corde. T'es pris comme moi, tu dois aller farmer le qui est brisé. Je dois farmer aussi qui est brisé.
Et je dois réussir à avoir un qui est brisé qui a assez de vitesse là pour ma silver, les gars. Parce que j'en ai pas assez. Bah, GG, en vrai, on se retrouve avec 136 de vitesse, 245% de dégâts crit. Je trouve ça beau, personnellement, mais c'est vrai que pour le jeu en entier, ça aurait été bien que t'aies beaucoup plus de vitesse pour le coup. Quasiment le double de vitesse qu'il te faut. Bah, double, genre 30 de vitesse en plus, quoi, environ. Pas de décès, malheureusement, je fais que... Bah non, mais décès, t'as pas besoin... Ah non, non, le décès, oui, sur la pièce. Ouais, sur la pièce que t'avais. Ouais, vous m'aviez dit 161 tout à l'heure, qu'il fallait 161 vitesse sur la Sparkle, pour le coup, pour ennemi. Du coup, les gars, on va s'arrêter là pour Honkai Star Rail aujourd'hui. C'était quand même très, très cool. J'ai réussi à terminer les MOC. J'ai malheureusement perdu une étoile parce que j'ai pas été assez rapide. Mais sincèrement... Moi, personnellement, je trouve que mon honneur, il est sauf de fou, les gars. Je sais pas vous, là, mais je suis assez fier de ma performance, en vrai. Je me sens bien. Je me sens en accord avec ce que j'ai fait, en vrai. Regarde, on va récupérer quelques vœux. Parce que c'est les vœux pour Sparkle. C'est les vœux pour Sparkle, sachant que je suis très, très proche d'un 5 étoiles. Et qu'en plus, j'ai 100 vœux. Ça veut dire que j'ai une Sparkle sur 100% et bien évidemment, il me faut de la chance pour avoir une Sparkle en plus et un compte de lumière. Je suis dans la merde. Au niveau du compte de lumière, je suis à combien de pity, mais je pense que je suis pas avancé malheureusement. C'est vraiment là que je vais être dans la merde. Moi j'ai 27 vœux, c'est bien. C'est déjà ça. je suis à 3 de pity. Ah ouais, je suis à 3 de pity, ça va être compliqué les gars. Ah ouais, le compte de lumière, j'ai quasiment aucune chance de l'avoir pour le coup. Aïe aïe aïe, ça fait mal. Ça fait mal pour le coup. Bon, allez, on va switch. Je vais mettre en grand pour le moment. Le dernier camp que j'ai eu, c'était Acheron. Je dois être à 3 de pity. Bah, comme moi, ouais, c'est ça. On est pareil pour le coup. On va enlever Dixpar. Parce que, bah, du coup, Dixpar était ouvert. J'ai oublié de vous dire, les gars. Des fois, j'essaie de le mettre pour Honkai. Parce que ça marche avec Honkai. Mais juste, des fois, j'oublie de vous dire qu'il est là, quoi. Mais fallait le dire. Mais fallait test. Moi, en même temps, je suis pas censé dire quand je peux me faire attaquer. Hein. Faut test. Vas-y, je vais changer de jeu. Mais quoi? Non, t'as raison, j'aurais dû vous le dire. Je vais mettre en Just Chat, comme la dernière fois. En vrai, j'ai peut-être un peu plus de chance qu'on découvre la chaîne sur Just Chat. Et je vais changer le titre. Qu'est-ce que je mets comme titre? Préviens demain. Demain, c'est plus compliqué parce qu'on a des petites périodes de jeu. Et il y a que... je pense qu'il y a que sur Honkai que je peux mettre Dixpar, alors c'est pas ouf, quoi. Peut-être que je le mettrai pas demain, Dixpar. Je verrai. Si tu me fais penser, je vais le mettre. Mais sinon, j'y penserai sûrement pas. Ah non, non. Demain, c'est sûr qu'on le met pas, tu sais quoi? Non, demain, c'est sûr qu'on le met pas. Parce qu'en plus, on va que regarder des records de dégâts. On sera pas sur le jeu, vous allez claquer des Dixpar pour rien. Bégaye de peur. Voilà, c'est ça mon titre, les gars. Je bégaye de peur. Vas-y, direction Xbox pour aller ouvrir Dead Space pour le coup. Je sais même pas si j'ai bien écrit le mot bégayer. Non, clairement pas, je me suis trompé en plus. J'ai mis un G qui n'avait pas du tout d'affaire là. Vas-y, là je l'ai remis. J'ai changé. Dead Space, il est où? Pourquoi je le vois pas? What the fuck? Qu'est-ce qui se passe encore? Des fois je le vois, Dead Space, des fois je le vois pas, c'est trop chelou. Dead Space. Bam, nous c'est Dead Space 2 pour le coup. Je suis content hein, parce que Dead Space 2 il est quand même vieux. Je sais pas de quelle année il date. Ouais, c'est 2011. What the fuck? C'est 1er janvier 2011. C'est tellement vieux. Il a plus de 10 ans le jeu. Pourtant, je trouve qu'il est banger de fou. Hein. Il est complètement. C'est fou comme jeu, je trouve.
Bégaye s'écrit comme ça. Ah non, merde, bon vrai. Attends, je change alors. Vas-y, j'ai changé. plus vieux que ma petite sœur, carrément. Ah oui, d'accord. Donc, tu fais pas jouer ta petite sœur à ça, quoi. Parce que je crois qu'elle va... Elle aussi, elle, bah, je sais pas si elle a déjà des couches, mais elle aura besoin de couches si elle en a pas besoin. Clairement. Oh là là, ça va bien se passer. Vous savez quoi? Je reviens, je vais aller faire une pause pipi. On revient, dès que je reviens, on va être sur... sur Dead Space. Ce sera pas très long. Je vous dis à tout de suite. Petite pause pipi vite fait et comme ça je vais pas me chier dessus peut-être, un peu moins. Allez, je reviens tout de suite. Elle est née en avril 2011, donc Dead Space 2 est plus vieux. Petit blind test, exactement, petit blind test, c'est bon, c'est parti.